Oups, désolé. J'avais dû couper. Voilà, j'en restais effectivement sans voix. Désolé, désolé les gens. Voilà, j'avais évidemment plus salué absolument tout le monde. Oh, la catastrophe. Aïe, 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 aïe. Voilà, je m'en feu. Voilà, désolé hein, les gens. Vraiment, j'étais parti sur un truc et du coup j'ai oublié de remettre le micro. Honte à moi, désolé, merci, bah oui, merci beaucoup. Merci, merci. Du coup voilà, j'avais salué en plus tout le monde. Donc chacun avait eu sa petite salutation personnalisée. Ouais, là, là. Enfin, c'est triste tout ça. Voilà. Donc voilà, j'ai sélectionné les campagnes. Très bien. Donc de toute façon, on va partir en opération de la semaine. Ça va de soi. Voilà. Voilà. Du coup, bah, salut Major, bon Bolivier, Flamo, Chrisoun et tous les autres. Je viens de voir Q aussi apparaître. Du coup, eh ben allez, on va partir pour l'opération de la semaine. Je vais créer donc une division. Je vais recommencer. Ah, ça va reprendre du temps. Après, je vais perdre beaucoup de temps, t'imagines? Allez, on va donc pouvoir faire l'opération de la semaine. Si vous voulez. Et donc voilà, je pense qu'on la fera sûrement deux fois, histoire de faire tourner un petit peu. Allez, que loose, c'est parti. Paf, non, non, je vais pas forcément prendre l'Atlanta, hein, évidemment. Voilà, allez, il m'en faut encore 5. Évidemment, après, je vous invite à aller sur le Discord. Voilà, salut que loose. Salut Seb. Hop, salut que loose, voilà. Comment va? Ah bien, bien. Content de voir que tout est débloqué le jour J Ex et oui, qu'il pas y a, deux, y a trois pas jours de, après. voilà, exactement, qu'il n'y a pas de souci. Alors, inconnu, c'est parti. Joe, c'est parti. Allez, il m'en faut encore 3. Donc allez-y, hein, profitez-en, choisissez vos tiers 7. De mémoire, il nous faut de l'anti-air. Hop, Chrisoun. Et du DPM. Hop, hello, hello. Voilà, parfait. Donc allez-y, hein, rejoignez-nous sur le Discord et on vous déplace. Hein, si jamais vous pouvez pas. T'es en train de faire les mises à jour, Balou. Ok. Alors, il y a un Richelieu, très bien. Un Fidji, ouais. De toute façon, ça déjà tout ça, c'est ce qu'il faut. Parfait. Bah, envoie-moi un message dans le jeu, Bastos. Bon, il me reste 2 places. Ah, t'es en stream. Ah, bah attends. Je vais regarder si le temps que j'arrive à charger. Sinon, voilà, tu m'envoies un message dans le jeu, il n'y a pas de souci. Alors, à peine ça, ok. Tiens, je t'ai pas. Après, j'ai tellement de monde. Tellement de monde dans ma liste de contacts. Ah, bah voilà, ouais, ce sera plus simple. Voilà. Allez, encore une place. Le Discord, je le donne, c'est parti. Discord, hop. Voilà, le voilà. Et du coup, bah, je continue à déplacer les gens. Alors, hop, voilà, Bastos. Je te déplace. Hop, Merci. voilà. Salut Seb. Salut, salut. QRC, je peux prendre un tier 7? Ah merde, c'est. Et oui, faut que si c'est cuirassé, J'ai c'est pas. uniquement français. Oh putain, j'ai rien. T'as même pas un croiseur tier 7? Non, j'ai pas de croiseur tier 7. À moins que j'achète le. L'Algérie. Je sais pas si je vais avoir assez. Chier. Voilà, les seuls cuirassés autorisés, c'est Lyon, Gascogne ou Richelieu. Est-ce qu'un streamer fera les opérations cet après-midi? Peut-être. S'il y a un streamer dispo, c'est possible. Croiseur japonais, ça passe? Alors, le Non, Myoko, non. ouais, ça devrait C'est pas passer. français, anglais, américain? Non. Ah si, oui, exact. Ah Ouais, il faut putain, que, c'est les trois nations là. ouais, c'est les trois Ouais. nations, ouais. De toute façon, ils apparaissent en grisé, Ouais. ce que tu peux pas prendre. Salut vigilant. Je vais vous laisser, j'ai pas le choix, j'ai rien. Ben écoute, Prochaine fois. prochaine fois, t'inquiète pas. À mon avis, ça, il y aura de quoi, Ouais, je vais aller faire. faire l'aléatoire, ça me permettra de débloquer les conteneurs. Ok, bon courage. Merci, à plus. À plus. Donc allez, j'ai 2 places.
On va pas partir comme ça. Fidji. Ouais, je pense. On va partir sur. Peut-être un Atlanta, remarque pour de l'antillère. Ouais, ce serait peut-être pas mal, ça, tiens. Allez, il me faut deux places. Deux personnes de plus. Ah, bah tiens, il y a Kirisun. Hop. Voilà. Hello. Kirisun. Bonjour à vous. Comment va? Zen. Ça va, ça va. Salut mes fistons, comment va? Allez. J'attends. Par contre, si vous voulez, j'ai soit le Belfast, soit le Pensa. Bah, si à la limite je prends l'Atlanta, tu peux prendre le Belfast. Ça roule. Salut Morox. Voilà, du coup, moi je vais prendre l'Atlanta. Allez, qui veut nous rejoindre pour la... Salut Polon. Alors, l'adresse est Sébastosfig. Voilà. C'est celle-là. Voilà, tout simplement. Personne veut nous rejoindre, c'est dingue. Il y en a déjà. C'est sympa une mission comme ça. Bah ouais, surtout que regardez ce qu'il y a à gagner. Hop. La liste des navires est restrictive. La liste des navires est certes restrictive. Il l'avait dit, hein, ça fait longtemps. Mais ce que tu gagnes, donc alors bon, t'as conteneur, ok, conteneur, des doublons, encore plus de doublons, plein de doublons. Tu peux quand même gagner 300 doublons. Ah oui, c'est joli ça. Bah ouais. C'est ça, tu craches pas dessus quoi. C'est une respect complète gratos presque. Ouais, c'est ça, exactement. C'est une place de port. Oui, tout à fait, ouais. En gros, c'est ça, voilà. Tu fais les 5 étoiles ou 2 en promo. Voilà, c'est une à deux places de port. Donc sérieusement, c'est sympa quoi. Le jour premium, c'est bien sympa, mais je t'avoue que voilà. Alors attends, du coup, qui voilà, donc bon, voilà, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Salut Dragoz. Pour ensuite que je vous déplace et qu'on puisse régler tout ça. Allez, il me reste encore une place. Tu lances le jeu, tu arrives. Ok, donc a priori, Assiron va arriver. Ils nous sont complets. Donc, Atlanta, Richelieu, Pensa, Fidji, Belfast, Pensa. Ok. Comment je vais faire pour ça? Les avions ne passeront pas. Il y en a beaucoup. Bah, alors, bon, au début, c'est du T1, donc ça va. Mais après, il y a le Graf Zeppelin qui arrive. Voilà. Good. Je fais farmer les safions. Ya. Yeah. Seconde. Il n'y a pas de souci, de toute façon, j'arrive. On n'est pas à ça près. Ah, Hunter qui vient d'arriver en douce. Sauf que le bot de la Wost a repéré Hunter. Donc de mémoire, faut vraiment faire. Elle n'est pas spécialement difficile, mais la cinquième étoile est la plus délicate puisqu'il ne faut pas que le Richelieu, enfin que le navire qu'on doit escorter, perde plus de 50% de ses PV. Ah oui, c'était chaud ça. Donc j'avais réussi hein, à la faire de justesse à la fin. Mais ouais, il avance trop vite et il prend tous les coups, non? Bah c'est surtout à la fin en fait. À la fin, t'as une petite vague de destroyers qui a le temps de lâcher ses torpilles. Et en gros, faut que tu te mettes en barrage. Quoi. Ouais. Surtout que le pire, c'est que même s'il a franchi la carte, le bord de carte, c'est pas validé tout de suite en fait. Il faut encore qu'il avance un peu. Et du coup, bah, tant qu'il prend des dégâts, même s'il a déjà quitté la carte, et bah, ça compte pas.
T'as en gros 30 secondes entre le moment où ça valide et le moment où il sort, enfin le moment où il sort de la carte et le moment où ça valide. Et donc pendant ces 30 secondes, il peut encore prendre des dégâts. Voilà. Salut Alexis, comment va? Et il y a pas de souci également. Donc voilà, c'est vraiment à ça qu'il faut faire attention. Bah tu nous diras au pire. Hein. Oui. Ne pas oublier qu'il y a aussi la tempête qui se déplace. Ah putain. Oh, Pocho, il est cuirassé allemand qui pop à 8 km. Pocho! Ouais, surprise. Surprise, surprise. Hello, guys. Ah, il manque le drapeau de vitesse. Vous aviez réussi à tout couler, vous? Ah, bah, joli, Joe Bobby. Alors, hop, Assiron, je t'invite. Voilà. C'est... Bah ouais, c'est ça, voilà, mes fistons. Après, attention, est-ce que c'est lié à une latence du serveur test? Ah, peut-être. C'est... Peut-être, hein. Peut-être. Ils ont peut-être corrigé. Parce que faut pas oublier que, voilà, c'était sur serveur test qui est situé je sais pas où, avec des gars qui venaient des États-Unis, d'autres d'Océanie, de Russie, enfin d'absolument partout. Donc là, voilà. Ah, et c'est pas con. Ouais. Donc c'est à voir, on va voir ça. Salut Yoni. Ça se joue à pas grand chose. Hein, donc la première fois, on l'avait bien raté. Enfin, on avait eu les 4 étoiles. Il avait quand même perdu nettement plus de 50%. La deuxième fois, il avait eu plus de 50% au moment où il touchait la ligne. Mais le temps que ce soit comptabilisé, il avait perdu ses 50%. Ouais, il doit y avoir du lag serveur, je pense. Voilà. Et par contre, du coup, après, j'avais recommencé dans mon coin. Et du premier coup. Voilà. Oui, Yoni, ils sont arrivés. Les bots focus quoi en priorité, les joueurs ou ce navire là? Le plus près je crois. D'accord. De mémoire. Voilà. Bah du coup nous sommes tous prêts. Je vérifie qu'il n'y a personne d'autre sur le Discord. Que je puisse déplacer. Bah non, a priori non. Donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Atlanta, Richelieu, Pensa, Fidji, Belfast, Pensa et Lyon, on doit pouvoir y arriver. Allez. Let's go. Alors, on est tier combien? On est tier 7 en croiseur allié, donc américain, français ou anglais. Ou sinon, tier 7, 8 pour les cuirassés français. Voilà. Donc voilà, salut Nicolas. Et voilà. Et les commentaires sont pas très élogieux sur le tier 10. Écoute, j'en sais rien. Personnellement, voilà. Il a l'air quand même d'être relativement bourrin. Il est peut-être pas forcément... On fait quoi? On part plein de balles en face? On fait quoi? Alors, attends, il est où celui qu'on doit escorter? Voilà, c'est Rouen. Voilà, ok. Il en faut au moins un devant. Au moins un, si ce n'est deux. D'accord, Rouen. Voilà, de toute façon, on va avoir deux navires. Voilà, on a Charles Martel et un Gascogne qui nous escortent en plus. Très bien. Voilà, c'est... Rouen, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Voilà. Donc là, tu vas avoir des avions normalement qui vont arriver de votre gauche. Donc là, avec les deux Pensa et le Lyon, ça devrait suffire. Je vais me mettre devant. Le truc, c'est ça, c'est que le Richelieu, il trace. Ah oui, il va vite. Ah oui, non, mais il va vite. Hein. Faut pas se laisser distancer. Hein. Voilà. Oui, enfin, on sait qu'il est fragile. Voilà, là, les avions qui arrivent. Ça faut les péter, c'est. C'est des petits avions de reco. C'est des petits avions de reco. Ça se pète très vite. C'est les avions tier 1. Voilà, je passe devant le Richelieu sur la gauche. Ok. Vous voyez, ça part vite là. Je pense que c'est Bombe Olivier qui s'amuse là. Ouais, mais comment dire, le concept du sniper. Voilà, comme ça je suis devant. Voilà, l'avion de reco s'en va. Parfait. Donc là, voilà, ça y est, ils arrivent. Ah oui.
Ah oui, attention, hein, avec la tempête, voilà, et on a quand même 37 km à faire. Voilà, ça y est, moi j'ai le DD, j'ai le MAS. Salut Celticos. Qu'est-ce qu'ils font, ces machins là? C'est pas vrai. Et d'un. Oh la vache, qu'est-ce que je mange? Je m'en vais parce que là je prends trop le focus. On va voir leur vitesse en fait. Ils vont pas à fond, hein. Attention, voilà les autres qui arrivent de l'autre côté. T22. Attention de l'autre côté. York était 22. Y'a plus rien à gauche là? Non, y'a plus rien pour le moment. Je focus le T22 perso. Le deuxième G2. Non, le York. Attention. Hop, désolé. Passe au G2 ce qui va lâcher ses torpilles. Hein. Voilà, ça c'est fait. Pierre. Ça y est, parfait. Allez, c'est parti. Je sais pas où ça apparaît après. Là c'est l'été, hein, donc après il y en aura d'autres par la suite. Allez, toi. C'est pas grave parce qu'après le il va soigner. Non mais je préfère la prendre plutôt que il était derrière moi donc. Ouais. Voilà, donc là c'est les cuirassés qui arrivent. Ah ouais. Donc là voilà, faut faire attention. Oui Nicolas, je referai l'opération une deuxième fois après. Voilà. Allez, on crame le Bismarck. Ouais, je suis dessus. Aïe. Attention, aïe aïe aïe, les secondaires qui commencent à tirer. Ah, kill. Un feu. C'est pour moi le rond là. Ouais. Alors le problème ça c'est que j'ai pas FT et croyez-moi je le sens. Bon, le Bismarck, c'est bon, il est foutu, c'est bon. Au revoir. Parfait, jusque-là, tout va bien. Le Gneisno. Voilà, donc désolé, là, je suis pas spécialement réactif sur... On focus le Tirpitz, peut-être? Ouais, je suis dessus. Il crame, déjà. Ok. De l'île, il revient derrière. Ouais, les deux T7 vont passer par derrière.
sont à 2 à l'heure. Tiens, 20 000 dans Charnhorst. Charnhorst ? Ouais. Attention au Gneisno qui est derrière l'île qui va apparaître derrière nous. Hein. Ouais, recule, le v'là. Ouais. Ouais, j'ai mis un feu au Gneisno déjà. Parfait, plus de Charnhorst. Moi je focus le tir pits. Je suis sur le Gneisno. Petit feu encore. C'est bon, à plus. Très bien, allez. Gneisno. Ça apparaît devant après ou pas? Oh, merci Rome. Ah, oh, tout de suite. Comment ça, je suis pas réactif? Merci. Deuxième feu. Attention Joe, tu te laisses complètement distancer par les autres. Hein. Ouais, refeu. Connu, tu vois quelque chose devant? Bombardier en approche. Bombardier. Allez, là faut en profiter pour réparer. Pour l'instant, c'est dur à la fin, je pense, non? Oui, c'est surtout à la fin. Parce que tu vas avoir le Grave Spé qui va arriver. Le Grave Zeppelin. Des Hyper, Grave Spé, Prince Eugène, enfin voilà. Ah oui, la totale. Il y a là, non, où ils apparaissent? Ils vont apparaître. Richelieu, ouais. Ou à gauche? Ouais, je crois. Il y en a peut-être un. Attends, non, ils arrivent pareil, plutôt par là. Et si je crois qu'il y a un ou deux trucs par là. Je reste à canon à droite. Faut voilà. En fin. Salut JP. Mais après, de ce que j'avais lu concernant le France, hein, donc qui s'appelle maintenant République, il peut effectivement se faire overmatch. Voilà, il est pas OP. Je pense qu'il va falloir le jouer vraiment d'une manière complètement différente par rapport aux autres. Il peut pas se contenter de sniper dans son coin au fond de map parce qu'il va se faire overmatch. D'accord. Et de même, il est sensible à la HE. Donc s'il reste immobile, il est mort. Donc je pense que vraiment, si tu veux t'en sortir, faut vraiment y aller. Voilà, hop, ils sont là. Je pense que pour le coup, il faut vraiment jouer sur sa mobilité. Sur les Français, c'est ça. Hein. Dans 5 secondes. Donc tout le monde est bien réparé. Ok. Ouais. Guide. Vu. Vous le dites hein, si vous avez besoin de radar. Là voilà, là il y a une masse de destroyers. Donc là. Sonar. Prêt. Hein. Ouais, c'est plus les sonars qu'il faut mettre. Hein. Vous me le dites, hein, j'en ai 4. Bah vas-y, mets-en un. Mets-en maintenant. Est-ce qu'il y en a un autre qui a est-ce qu'il y en a un autre qui a aussi un. Ça pop. Ah ça y est, voilà le. Voilà le Grave Zeppelin. Il a été annoncé, donc il va arriver dans pas longtemps. Ok, parfait. Bayern. Bayern au fond. Oh, et attention. C'est bon, je suis en accélération. Oh, qui a collé ça? C'était très joli comme ça. Le... Mais il tire, Rouen. Oui. Ça y est, ça arrive, ouais. Donc le graphe arrive. Ouais, ça c'est les avions tier 8, c'est le Grave Zeppelin. Donc messieurs, voilà, ça y est, les ici, là.
Voilà. Après, tout le monde est à gauche, c'est ça? Ouais, mais là, pour le moment, je m'occupe... Il ralentit pas, le Richelieu. Hein. Non, il ralentit jamais. Hein. J'essaye de me mettre devant, mais il veut pas. Hein. Allez, je m'occupe des... Voilà, ça c'est... Gêne. Ça c'est pas grave. Ok, ça c'est bon. Pour le moment, on est bon. Attention, parce que le Rouen, là, il est en première ligne face aux croiseurs qui sont de ce côté-là. Seb, attention, je coupe pour passer de l'autre côté. Ok. Sauvez l'or. Bah, on va essayer. L'Alsace est très bon. Ouais, l'Alsace est très très bon. Si. J'essaie d'avancer aussi, hein, mais... Je suis... Donc c'est là qu'on voit qu'il est quand même plus lent que le Richelieu. Voilà. Ok. Le prince Eugène qui... Il y a le Hipper. Ouais, ils sont derrière. Et donc le CV est dans le coin aussi. Hein. Il est à gauche aussi. Ouais. Ils sont tous là-bas, ouais. Donc l'idéal. Hop, regarde, là encore des avions qui arrivent. Donc il doit être quelque part par là. Attention, les destroyers ennemis arrivent. Ça roule. Ouais. Joli. Faut que quelqu'un se mette devant le Rouen là pour prendre les torpes à sa place. Ouais. Ah ouais, aïe. Bon, je suis devant. Pas à côté. Mais j'ai plein de balles. Il faudrait qu'il y en ait un qui parte par là pour aller choper le CV. Par là. Il a l'air d'être par là, quelque part par là. Ok, j'y vais. S'il est par là. Désolé. Je t'en prie, j'y vais quand même. Voilà, un de moins. Quelqu'un a un sonar? Oui. Qu'il le colle. Hop, attention, voilà les. Hop, radar. Je mets le radar parce que ça y est, ils sont en train de se smoker. Oh, ils sont. Regardez ces petits fourbes. Petite fourbasse. C'est qui était le. Il est là-bas. Oh la vache, il est au fond. Ah la vache, j'y vais quand même. Ils l'ont changé de place, hein. Ah les petits, les... parce qu'il a, il était oui, beaucoup plus proche la dernière fois. Je vais peut-être me faire focus si j'y vais comme ça. Alors il faudrait, laisse tomber parce que alors le Rouen, il n'y a aucun moyen. Je vais essayer de bloquer le Rouen. Focus. Je vais essayer, hein. Stop, tu ne passeras pas. Stop. Torpilleur. Voilà, j'essaie de le ralentir un petit peu. C'est bon, je l'ai ralenti. Essayez de choper le Graf pendant ce temps-là. C'est vraiment la priorité. Hein. Le reste, on peut le... Aïe. Le Rouen va repartager. Allez, c'est bon, le Graf Zeppelin va y passer. Bien joué. Allez, c'est bon. Bien joué. Faut éviter que les torpilles arrivent sur le... Salut Miss Minban. Tu aimes cette nouvelle apparence de la mer? Oui, elle est belle la mer. GG. Le Graf.
Ouais, c'est bon, regarde, le... il est sorti de la... il est sorti. Ouais, on est à 7 km. Donc effectivement, la sortie est en dehors de la carte. La sortie... la sortie est en dehors de la carte. Je suis en train de me faire focus. Voilà. Allez, laissez-moi, monsieur Hyper. Je suis un gentil. Que dalle. La co suit pas. Comment ça? Non, tout, et tout va bien. Le Hyper, non? Non, 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 oui. Regarde. C'est bon, le Rouen n'a pas perdu plus de 50%. Et 3 cuirassés doivent alliés doivent survivre. C'est bon, il nous en reste 4. On a gagné. 5 étoiles. GG. GG. Donc il nous faut clairement du cuirassé pour éliminer le CV adverse. Voilà. Suffisamment de DCA pour... ouais, voilà. C'est bon. Bien joué. Mais le Belfast est bien parce que tu peux te smoke et en me smokant, ils m'ont pas vu, je l'ai fumé quoi. C'est ça, c'est ça. Tu te décales, tu vas te smoker, tu prends un peu l'aggro, tu tapes le CV puis tu te casses quoi. Ouais. Bon, clairement, l'Atlanta ça marche très bien aussi. Hein. Ouais. J'ai abattu 37 avions. Ouais, j'ai une image de fumée. Bon, bah voilà, je laisse ma place. Voilà. Terrano. Voilà, 511 hits. Oh la vache. 62 avions quand même. Qui ça? Putain. Bon, Bolivier quand même, fait 62 des avions. GG. Ça cause. Voilà. Non, non, c'est du bon, c'est du bon. Donc voilà, bravo, bravo tout le monde. Du coup, vivement que tu fasses l'inventaire, un nouveau Télis à mettre au port. Bah écoutez, s'il y en a d'autres qui veulent nous rejoindre, envoyez un message sur le en jeu. Et bah, je ferai tourner, voilà, je fais encore une opération, puis je passe à la suite. Donc merci à tous, hein, vraiment. Merci à toi Seb. Voilà, j'espère que je vais avoir à nouveau 6 personnes. Voilà, donc belle... Là on a été efficace. Très efficace. En attendant, vous savez quoi, je vais ouvrir mes conteneurs. De toute façon, Atlanta sur cette map... C'est un petit peu OP quand même. Hein. Ouais, mais tu vois, j'avais pas AFT. Ouais. Donc j'étais limité, tu comprends. Fait j'ai combien bien compris, oui. Elle doit faire 300. Moi j'avais vu 300 et quelques mégas, hein, donc voilà. Oh, il y a 300 et 500. Il y a 500. Une deuxième de 500, ok. Voilà. Bah de rien, mon Bolivier. Voilà, tout le plaisir était pour moi. On a pu la faire tranquille. Ah, c'est propre. C'était voilà, c'était du beau, c'était du propre. Voilà. Toc. Ok, pas de soucis Nicolas. Un peu donc du coup, voilà, je les laisse comme ça au cas où. Voilà, donc ah, j'attends. La France m'a donné. Ah, j'ai déjà fini la collecte. Bah oui, moi aussi. Moi aussi. Bon, ça fait 15 000 par... Ok, major. Ça va arriver vite. Par copie, oui. Bon, par contre, ils sont quand même pas bien beaux, les camous français. Ça fait vraiment un peu criard. Oh, tout de suite. Salut, Emric. Bah, ça va, très bien. Là, on vient de faire le premier jet de l'opération qui a très bien fonctionné. Donc là, je fais un deuxième service avant de passer à la suite. Voilà. Oh, histoire que le maximum de gens puissent avoir les étoiles. C'est... Le lion est au garage. Oh, il y en a qui ont de la chance. Ouais. Alors, il te reste 200 mégas et tu finis la première installation. D'accord. Oh yes, putain. À la limite, ce que je vais faire, le temps que t'as pas Discord, c'est pas grave, ce sera peut-être plus difficile. Ça recommence à bloquer sur 93. Ok. Bah vous savez quoi, je vais faire peut-être une partie ou voilà, peut-être une ou deux parties en normal. Et après voilà, je repartirai sur l'opération. Voilà. Hop. Voilà. Donc si quelqu'un veut me rejoindre, ah bah tiens, déjà il y a Coyote. Parce que je pense que ouais, la première partie fait combien? Elle fait 360 mégas. Et la deuxième partie en fait 500. Voilà. Ok, bah je quitte le Discord, merci encore Seb. Bah de rien, de rien, de rien.
Donc voilà. Si t'as pas... Alors attention Emric, t'es pas obligé. C'est soit cuirassé français de tier 7 ou tier 8. Donc en gros c'est Gascogne, Lyon ou Richelieu. Soit des croiseurs américains, donc soit le Pensacola, l'Indianapolis, l'Atlanta, le Fidji, le Belfast ou l'Algérie. Voilà. Bonjour. Hello, hello. Donc voilà. Donc il n'y a pas de souci, tu peux quand même le faire. Voilà. Donc j'ai le temps de faire une. Voilà. Allez, on va dire que je fais une petite partie en. Ouais, effectivement, Yoni, tu peux en gagner un. Voilà, donc je fais une petite partie en normal. J'ai une place. En attendant. Et puis voilà, une fois que je reçois suffisamment de messages, eh bien je relance l'opération. Voilà. Allez. Et moi, du coup, je sais ce que je vais faire. Puisqu'il faut du tiers pour la campagne. Allez. Voilà, il faut donc tier 6 ou plus. Je vais prendre le de grâce. Envoie-moi un mail, un message en jeu. Et comme ça, voilà, pof, je te prends éventuellement. Bah, si tu veux tout de suite me rejoindre, il n'y a pas de souci. Salut Enzo. Donc voilà, puis je te prends pour la div et après je te garde pour l'opération. Donc voilà, moi on va partir en T6. Et je vais prendre le de grâce. Voilà, ça va très bien, Enzo. Corico. Ah, hop, hop. Voilà, comme ça je peux faire plusieurs étoiles d'un coup. Ça, il n'y a pas besoin. Et évidemment, on va mettre le maximum. Alors le maximum de pavillons cache. Voilà. On va mettre un camo pour le cache. Alors j'ai pas les pavillons Gamescom, je les ai pas tout de suite. Ça arrivera plus tard. Voilà. Il y a de la neige dehors. La neige, non, je sais pas ce que c'est moi. Non, c'est pas vrai, j'y suis allé il y a quelques jours. Voilà, donc moi je suis prêt. Donc voilà, s'il y en a un. 4 cuirassés T8 FR, c'est normal. Ça fait beaucoup. Ok, à plus Tiberius. Pardon. Pour la tâche 4, pardon, excuse-moi. Oui, d'inconnu, c'est normal. C'est soit parce que t'as réussi à aller avoir le Richelieu, soit c'est pour te faire acheter le Gascogne. Voilà. Il est en vente à mon avis, il va arriver demain. Soit cet après-midi, soit demain. Je vais regarder, mais voilà. Hop. Parce que j'avais regardé tout à l'heure, il n'était pas en vente. Ouais, non, mais Emric, je te dis, tu m'envoies. Alors attends. Les offres de mars. Ouais, non, il n'y a pas. Alors attends, je vais. Ouais. Est-ce que tu peux, Emric, me remettre ton pseudo? À ce moment-là, je t'invite. Je crois que c'est Emric. Tant que tous les autres fassent leur mise à jour. Voilà, on va partir en T6. Voilà, qu'est-ce que c'est lent, cette liste de contacts. Ouais, alors Morox, je te garde. Je te garde pour la suite. Je te garde pour l'OP. Ceci. Voilà. Hop. Alors. Merci. C'est juste que comme. Allez. Comme vous pouvez le voir, c'est tellement rapide. Allez. Ça va, Mickey? Ah, il veut pas, hein.
Ok, Balou, attends, je te. Bah, pareil, tu envoies-moi un message dans le jeu. Vous voyez, parce que moi, ça prend du temps, j'ai tellement de contacts que ça fait tout bugger. Et. Tralala. Et voilà, puis du coup, je pourrais directement vous prendre après. Ah, il veut pas, hein. Aimerait qu'il y ait un. Il veut pas. Il veut pas te trouver. Peut-être parce qu'il faut que je. S'il faut que je cache ça pour que ça fasse fonctionner ça, je vais pas y arriver là. Oh purée. Enlève les chiffres dans ta recherche. Ah, il veut pas. Non mais tu tapes. Tu fais. Non mais c'est pas grave, tu me cherches, y a pas de souci. Ah, il veut pas. Il y a Emric Brick. T'es sûr que t'es connecté ou... Même comme ça devrait apparaître. Comment c'est? Parce qu'en plus, il me semble que j'ai déjà joué avec toi, Emric. Il n'y a pas de majuscule. Il y a peut-être une majuscule quelque part. Mais là, comme ça, tu vois, j'arrive pas à te trouver. Donc, a priori, c'est pas. Ouais, bah, elle est où la majuscule? Parce que là, tu vois, je l'ai tapé au début, il n'y a rien qui apparaît. Sérieusement, Emric, envoie-moi direct. Non, il n'y a pas de majuscule. Ouais, mais tu vois, je te trouve pas. Donc le mieux, c'est que tu m'envoies un message directement. Tu tapes, voilà, tu fais liste de contacts, rechercher. Voilà, c'est facile, hein, c'est Sébastosfig. Voilà, ça va être beaucoup plus simple, parce que j'ai tellement de contacts que malheureusement, bah, ça fait tout bugger. Voilà. La neige à Brest. Voilà. C'est bon. Ouais, non, tu vois, ça faisait tout. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et je t'invite. Voilà. Et donc, du coup, après Mickey, qu'est-ce que tu me demanderas? Alors. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il veut un navire allemand. Ok, c'est parti, parfait. Bah écoutez, on va pouvoir faire un snipe en T6. Qu'est-ce que tu voudras me faire jouer après, Mickey? Et ok, donc tac. Normalement, après, il y aura suffisamment de personnes qui auront fait la mise à jour, donc je retenterai l'opération. Et après, voilà, je m'occuperai de ton bateau, Mickey. Mais il faut que tu me dises s'il n'y a personne. Où sont les modos? Il n'y a pas de modos. C'est quoi ça? Voilà. T'as 94% de chargement. Ok. Allez! J'ai un T2 critère. Normandie. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup le Normandie. J'aime beaucoup. Alors, attends, qui m'a envoyé un message? Ah, c'est un. Ah, alors c'est qui? Allez, schnell. Balouf. Parfait. Ok, donc je te prendrai pour la suite. Parfait. Du GK. Bien. Waouh, 154 cuirassés. Pocho, je suis un cuirassé français. Comme à chaque mise à jour. À chaque mise à jour, qui a cuirassé, il y a beaucoup cuirassé dans la ligne. Ouais, il est assez solide, oui. Il est assez précis.
Donc non, il est. Tu vas pas forcément mettre à chaque fois des grosses patates, mais il est relativement constant dans sa dans ses impacts en fait. Donc franchement, il est intéressant. Voilà, il tourne, il est rapide. Il est voilà, il, franchement, il a, il fait plus de 30 nœuds. Il fait 30,7 nœuds, je crois, avec le flag. Il est, il tourne vite. Donc ça, c'est très bien. Ah, y a pas, allez, franchement, regardez le nombre de navires français en jeu, quoi. Entre les Galices, les Bretagnes, les Deux Grâces. Pochou, je vais faire la mission le plus vite possible. Donc voilà. Bah écoute, le lion, bah on verra. Je l'ai pas. Il est pas précis. Oui, non, mais ça, j'avais cru comprendre. Envoie la dose, mais ça, quand ça touche, ouais. C'est pas précis. Voilà, sauf que moi maintenant j'ai un commandant 17 points sur mon de grâce avec expert démo et IFHE. Donc je m'en fous, je vais vous faire cramer. Alors, on va pas aller trop vite tout de suite. Alors, on a l'avantage en DD, ça c'est très bien. Le, alors, Atsuaru, ok. Alors, petite pensée peut-être pour l'Emerald. Ah oui, c'est impressionnant, hein, tous ces cuirassés en attente. Ah bah oui, mais tu comprends. C'est toujours ça. Hein. Eh ouais, Jobobi. Heureusement que j'aime bien jouer croiseur. Alors, une galissonnière, c'est parti. Messieurs. Allez, j'en ai un qui me vise. Oh, deux qui me visent. Voilà, ça c'est fait. Boum. Ah, le Atsuaru. Atsuaru. Donc on risque de perdre, malheureusement. J'en ai deux. Ok, qui me vise. On continue la galice alors. Allez, on va essayer de faire cramer la Wind Duke. Salut Everett. Ah ouais, faut sortir les DD là. Ah ouais, là. Bien joué. Et voilà, un petit feu sur la Red Duke. Merci l'IFHE. Oh, un Atsuaru. Ah bah bravo. Ah bah d'accord, donc il a encore un Cleveland qui jouait à la cheu et qui du coup. Attention Coyote. Joli. Voilà, on voit à quel point le Normandie est manœuvrant. C'est beau. Ouais, 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 non, pendant la campagne Bismarck, c'était une horreur. Oh, un cuirassé qui joue à la hache.
Allez, on va focus le de grâce. Voilà. Deuxième compétence à 4 points. Je te montrerai mon Neptune, je te le montrerai après. J'ai 17 points dessus. Allez, ils sont à 40 points. Mon commandant FR, bah, il va aller sur mes cuirassés, je pense. Parce qu'entre la rotation des tourelles et pousser l'adrénaline... Ah, voilà le Hatsuharu. Et ben voilà. Ah ouais, non mais le Neptune il est bien, ouais. Voilà. Il fait que 200 000 de crédit. Il n'a pas fait beaucoup. Voilà. Et on a perdu personne. Bon voilà, le Nicolas c'est le seul qui a fait vraiment énormément d'XP parce qu'il a capé. Oh mon dieu, cette partie. Ah, patch day. T'as déjà 12 incendies, joli. Joli. Alors, du coup, hop. Neptune, voilà. Donc, voilà. Évidemment, cible prioritaire. Pousser l'adrénaline et smoke étendu, hein, expert en écran de fumée. Pour que tu aies en fait... beaucoup plus de fumée dans laquelle te déplacer pour tirer, ne jamais rester immobile. Évidemment, surintendant, plus de sonar, plus de fumée. Voilà, expert en dissimu. Et alors moi j'ai mis entraînement avancé au tir. Parce que ça me permet... Alors j'ai réussi une fois à faire un expert des combats rapprochés, mais c'est surtout que ça te permet d'avoir une bonne aura entière. Si tu regardes bien, défense entière avec tes canons de 114, pardon, tes canons de 152, tu as 8,6 km de portée entière. Voilà. Est-ce que c'est le meilleur? Je sais pas, j'hésite entre ça et triangulation. Voilà. Sachant que donc avec les 3 points qui me restent, ce serait très vraisemblablement... vraisemblablement multitâche. Et pour avoir évidemment la smoke qui recharge encore plus vite. Et alerte de tir en approche. Ou alors, rechargement de torpille. Voilà. Ouais, j'hésite. Le souci en fait du Neptune, c'est que les tourelles... Bon. Je trouve... Enfin... tourne relativement vite, mais je sais pas, je me sens pas à l'aise avec la rotation des tourelles. Après, ça peut être utile quand t'es dans ta smoke... pour te dire, attends, celui sur lequel je tire, il est là, celui que je vois le plus près, mais ma triangulation m'indique autre chose. Donc, voilà. Ça veut dire que je vais donc cibler ailleurs, il y a un destroyer pas loin. Mais t'as ton sonar quand même. Donc, bon. Voilà, je pense que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. Voilà. Du coup, allez, on va repasser en opération de la semaine. Voilà. Il y a donc Balou, que je vais donc inviter dans la division. Il y a Morox. Donc il m'en reste deux. Voilà, il me reste encore deux places. Ce que je vais faire, c'est...
Assyron a déjà l'air d'être en bataille. Donc hop, voilà. Et donc voilà. Il me reste encore donc deux places. Oh bah de rien, hein, cet Icos. Oui, il n'y a pas de souci, Morox. Et voilà, je reviens en attendant. J'ai quoi en T9 ou T10? J'en ai beaucoup. Je te montrerai après. Alors, bon, maintenant je peux. Alors, en T10, j'ai Henri IV, Conqueror, Minotaur, Kurfürst, Khabarovsk, Mosva, Z50 de Hindenburg, Grozovoy, Montana, Des Moines, Yamato, Zao, Shima. En T9, j'ai Saint-Louis, Chungmu, Donskoy, Z46, Neptune, Lion, Tashkent, Udaloy, Iowa, Missouri, Baltimore, Musashi, Yugumo. Ça fait beaucoup. Voilà. Hop. Ensuite, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Hein, je vous déplacerai. Voilà. Le cas échéant. Je reviens de suite. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre m'a rejoint? Non. Bah, attendant, choisissez vos navires. Emmerich, Coyote, Balou, prenez vos navires. Hop. Ok, donc Coyote prend le Belfast. Très bien. Pas de soucis, Nicolas. Pas de soucis. Je dis, j'ai. Voilà, je. Alors après, donc alors, du coup j'ai un GK à faire et un Chungmu. Ok. Voilà. T'es sur Discord. Parfait, je te déplace. Je te vois pas. Ah si, lieutenant Yann. Voilà. Et hop, voilà. Hello. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Voilà, parfait. Donc c'est bon. Donc toi tu prends le PETSA. Ouais. Bonne entière, donc ça va être très bien. Ouais, mais je l'ai pas encore amélioré, je viens juste de le débloquer. Il n'y a pas de souci, pas de souci. Morox vient d'arriver, donc on va avoir Nicolas qui va arriver également. Voilà. Alors, hop. Alors c'est marrant parce que donc là en jeu il y a Balou 53 et sur le. Sur le Discord, il y en a un qui s'appelle Balou61. Est-ce que c'est le même? Là est la question. Il a peut-être déménagé. Ouais, c'est ça. Alors, Terminator. Alors, Nicolas, est-ce que le plus simple, en fait, c'est de m'envoyer directement un message en jeu? Parce que je sais pas si tu as vu tout à l'heure, mais alors ça galérait énormément pour trouver. J'ai trop de contacts, en fait. Je sais qu'il va falloir que je fasse du tri. Non mais j'en ai je sais pas combien, tu regardes, voilà. C'est déjà 10 secondes, 15 secondes que j'ai, voilà, j'ai 136 contacts. Oui, quand même. Idiot. Hey, Hunter, comment va? Très bien, et toi? Bah très bien, très bien. Encore une petite place pour l'opération? Bah écoute, j'ai Nicolas qui a demandé, et bah écoute, tu peux prendre la dernière, pas de souci. Allez, voilà. Donc ce sera bon. Je vais essayer un Terminator. Tu peux pas monter? Ah mais attends, mais je te déplace. Voilà, je me doutais bien que c'était toi. Voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est... Alors, Terminator 60.
Hop, désolé, attendez. Évidemment, faut que je trouve ça. Salut. Hello, hello. Salut. Voilà, Terminator 6050. Je t'invite dans la div. Voilà. Et donc après, il y a Major Marco qui demande aussi. Mais voilà, donc Hunter, t'avais demandé avant. Et donc, bah, du coup, Mickey, dans le pire des cas, Mickey, tu m'envoies aussi un message. Voilà, et puis on verra. Si ça se trouve, je vais faire que de la. Je vais faire que de l'opération ce matin. Alors, du coup, je vais enlever. Ah oui, parce que quand tu vas en FFA, ils apprécient pas les Français. Donc, voilà. On dira pas pourquoi. Voilà, donc bah écoute, Balou, tu prends ce dont tu as besoin. Ouais, bah voilà. Hop, il y a Léviat qui arrive aussi. Ah bah voilà, hop. Donc voilà, Mickey, tu m'envoies un message en jeu. Et puis je te dis, là, déjà, j'en ai déjà deux autres qui sont prêts. Donc, on serait déjà 4 avec toi. Donc, tu vois, il y aurait de quoi limite commencer. Donc, Tu prends un cas. Et non. Bah, il a demandé avant. Alors, Nicolas, tu ne peux pas prendre de cuirassé américain. C'est spécifique, c'est noté. Hein. C'est soit le Lion, le Gascogne ou le Richelieu. Ou bien un croiseur américain, anglais ou français. Voilà. Il y avait Bastos tout à l'heure qui avait voulu y participer également, mais il pouvait pas, parce qu'il avait pas, il avait des croiseurs, mais pas la bonne nation, et les cuirassés, mais pas de la bonne nation. Donc voilà. Tu en fais une et après tu me récupères, Sébastos fille, c'est ça? Bah écoute, c'est ouais, moi Léviat. Oui, ah ouais, mais... écoute, on va voir, parce que ça, tout va dépendre du nombre après de joueurs que j'ai pour. Oh, c'est juste pour savoir si j'en lance une ou pas en attendant. Bah, tu sais, là je suis quasiment prêt là pour partir. Hein, donc il n'y a plus que Terminator qui doit choisir, je suppose. Non, attends, Mickey, non, j'ai encore le temps, hein, j'ai encore le temps, Mickey, c'est bon. Ah oui, c'est vrai que j'ai aussi l'Akizuki à faire. Parce qu'on m'avait demandé un Akizuki hier. Donc, du coup, Nicolas, qu'est-ce que tu fais? Tu peux la... Qu'est-ce que tu prends, du coup? Hop. Voilà. Hop. Par contre, si vous pouviez ouais, nous rejoindre sur le... Voilà, parce que si Nicolas peut pas prendre de navire. Ah, tu peux pas. Ok, d'accord. Bon, et eh ben écoute, je t'exclus, désolé. C'est vrai qu'elle est un peu restrictive. Hein. Voilà. Mais bon, tant pis. C'est quoi que t'as comme Ah oui, effectivement. J'avais pas vu les. Voilà. Donc du coup, t'as des grosses restrictions. Du coup, bah Major, je te prends. Parce que t'es le deuxième. Okay. Hop, voilà. Mais voilà, Mickey, tu m'envoies un message. Voilà. Alors, on a Belfast, Pensa, Atlanta, Lyon, Richelieu. Voilà, donc double Richelieu et Lyon. Parfait. Alors, j'ai le choix. Atlanta, Fidji ou Belfast. Hunter, j'espère que l'IA résistera mieux que les joueurs. Allez. C'est pas gagné. Ouais, je vais prendre Belfast. Salut, Galeron. Ah. Ça dépend de ce qu'on veut affronter. Salut Crosswax. Là j'ai tout. C'est vrai que 380. Parfait. Eh ben écoutez, nous sommes prêts, nous y allons. Crosswax, Galeran, si vous voulez nous rejoindre, a priori j'ai de quoi faire encore une troisième session d'opération. Envoyez-moi un message dans le jeu. Voilà, allez, bonne chance. En fait, Seb, il est en mode. Il monte la carte et tout, tu sais, c'est ce qu'il présente. A votre droite, nous avons un grave Seb. Ben voilà, donc Crosswax, voilà, tu m'envoies un message en jeu. Par contre, mon Richelieu est encore stock. Bouh! Enfin, stock, j'ai juste les moteurs. C'est pas grave, il y a un Atlanta pour s'occuper des avions. Non, mais je peux très bien m'occuper des avions, t'inquiète pas. Voilà. Sachant donc que j'ai Léviathan, enfin j'ai Léviat, Mickey, et donc possiblement, donc ensuite Galeran et toi Crosswax. demain, ça va être chaud.
Parce que j'aurais déjà fait quand même. C'est bon, ils ont fait une faute d'orthographe. Ouais. À Rouen. Oui, oui, non, oui. Mais bon, voilà. Je suis nul en français, mais à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous donnent comme petit cadeau? Charles Martel et Algérie, ok, ouais. Soit. Charles Martel. Voilà, ok. Dommage, dommage, Galerand. Bon, tu sais, mon avis. Alors, j'ai pas trop compris si Dim avait réussi à tout préparer pour cet après-midi. Je sais qu'il est en train de tout faire pour, mais je sais pas si c'est. Il est pas mal occupé, il a du mal. Ouais. Donc peut-être que cet après-midi sera pas forcément possible, mais à mon avis, ce soir, il y aura bien quelqu'un pour la faire. Donc Galerand, il n'y a pas de souci. Salut le gamer. Donc pareil, hein, le gamer. C'est des avions tier 1. Oui, oui, au début, oui. La première vague, c'est les avions tier 1. Ça va Hunter, t'as des CR, n'en souffle pas trop. J'ai même pas le temps de les abattre. Poup. Donc ils vont popper. C'est pour les autres. Ils vont popper par ici. Ça y est, là voilà, le dernier avion de reco part. Voilà. Sachant que ça y est, voilà, là le petit Dédé qui arrive, le petit Mas. Woup, 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 woup. D'accord, ok, c'est mort pour toi cet après-midi. Bah écoute, essaye ce soir. À mon avis, je suis sûr que Neuneu va vouloir. Il va vouloir la faire. Gagner des doublons. Aïe, oui, aïe, aïe. Le Nürnberg est à l'arrêt, ok. Non, il tourne tout petit peu. Radar. Oh, il est juste un chouïa trop loin. Oups, c'est le Nürnberg. Moi, je suis pas désolé. Attention au York de l'autre côté. Oh, eh. Par contre, les orages comme ça sont tellement plus stylés comparé aux pauvres. Ah oui, oui, c'est clair. Alors, du coup, il y a York, voilà, T22 qui arrive aussi. Merci le gamer. Tu m'étonnes qu'il devait être naze. Ce que je veux. Profites-en aussi, hein, le gamer. J'ai du monde là. Si tu veux, voilà, j'ai le temps de faire encore une session et d'opération. C'est maintenant que j'aurais dû mettre ma smoke. En fait, j'ai mal calculé mon coup. Donc voilà, tu m'envoies un message en jeu. Pardon. Attention au gate 2 de l'autre côté. Hein. Je mets le sonar au cas où pour les torpilles. Ouh, 6000. Tu aimes ça le York hein. Gros zozis. Zozis. Voilà parce que j'ai déjà donc quelques noms pour le faire. Pour la refaire une troisième fois. Voilà voilà. Oh là là, oui d'accord. Ah bah oui, oui, bah je comprends, oui, effectivement. Ah, il se smoke. Ah. Attention, voilà les premiers bombardiers, ils sont T1, donc ça va, c'est pas grave. Balou, ton... Ah bah voilà, parfait. LOL. Voilà, par contre, t'éloignes pas trop, Balou, reviens, parce que là, t'es pile face au cuirassé. Ouais, t'es enfin du gros. Donc voilà. Salut touché.
tiens, tu voudrais pas un peu de la puissance française, Bismarck ? Concentre les tirs sur Bismarck. Ouais. Vas-y, vas-y. Ok. Ma fenêtre de tir qui va se refermer sur Bismarck, j'espère que je vais pouvoir lui en remettre une. Ah, bah, j'ai touché Gnesno et Bismarck en même temps. Ah bah écoute. Une pierre de coup. Atlanta, il est vachement. Aïe aïe. Désolé les gars. Pas de soucis. Mais il y a plus, il y a déjà longtemps que j'ai plus joué. Allez, faut finir le Bismarck. Moi, je peux plus. J'ai plus la fenêtre sur lui. Plus non plus. Ah, je suis repéré à cause du Gnezno. Allez, j'attaque le Gnezno à la secondaire. C'est parti. Et ma secondaire lui colle un feu. C'est bien la secondaire. Merci. Merci, la secondaire. D'ailleurs, j'ai oublié un truc. Hop. Ah, trop proche des îles, j'ai plus d'angle de tir. Ça, c'est fait. Hop. Ok, le Gnizno, c'est parti. Je sais pas si stream cet après-midi, Nene. Je sais pas. Et merci à Derox et Widol pour le follow, bienvenue. Oh, j'ai eu droit à la cita. Oh, ça fait mal, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Oh, you touch my tra-la-la. Alors attention, il y a le Charnorst par ici. Hein. Voilà, le voilà. Et moi, chemin fait. Je vais le retenir. Attention, le Richelieu est quasi tout seul. Hein. Il y a juste Morox qui est en train d'escorter, faut avancer. Je vais revenir sur lui aussi. Ouais. J'ai remis les gars. Ah, par contre, du coup, vous voyez, vous ne voyez pas si vous êtes... Ah. Aïe aïe aïe, Emmerich, ouais. Ouais attention, voilà les torpilleurs. Ah, il est plein. Il y a le tir. Pour terrain. Wow. Une tourelle définitivement détruite sur le char nord, c'est l'autre endommagé. Voilà, on va pouvoir réparer. C'est les tiers 1, c'est les tiers 1 pour le moment. Une secondaire, ils sont. Wapa! Allez, c'est le moment de réparer. Là, tu la sens que c'est de la DCA américaine hein, qui tire. Hein. Ouais, mais c'est des avions T1. Non, mais le nombre de tirs que t'as sur une mitrailleuse, c'est impressionnant. Oh, Steve, n'en veut! N'en veut! Exactement, Galeron. Salut, Xanpox. Ok, tout petit. Ok, c'est parti. Voilà, on est tous en train de réparer. Non, pas encore. C'est bon, t'as encore 30 secondes. Allez. Pour l'instant, moi je percute un peu tout le monde. Alors, voilà, v'là le Bayern. Pardon. Qui arrive ici. Je crois qu'il y a un autre truc avec. Et après, ils vont tous popper par ici. Avec le Graf Zeppelin. Why? C'est juste un Bayern? Non, je crois qu'il y a autre chose avec. Il y a que deux ennemis? Après, non, ils popent tous de ce côté-là après. Hein. S'il y a que deux ennemis à droite, je vais m'en occuper. Je crois qu'il y a un DD avec. On occupe. Voilà le T22, masse. Deux DD, ouais. On focus le masse d'abord. Ah, il y a encore. Ah, il y a G2. D'accord, T22 en plus. Bon, je vais détruire une tourelle. Ouais, c'est pas le.
pas les tourelles. C'est pas les tourelles hein, sur un destroyer. Tant pis, j'aurais dit chouette. Ok, il est foutu. Ok, 2. Ah, oups, excusez-moi le lion. Faut mettre un sonar pour savoir. Ouais, parce que alors là, il y en a qui va se faire torpiller là, je sens. Absolument pas. Je vais mettre derrière. Ah si. Ah si. Bah nos c'est que Z avait déjà torpillé. Ouais. Oh là 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 là, Hunter. C'est pas grave. Je peux encore me soloter le Bayern, c'est pas un souci. Allez, le Bayern. Et donc attention parce que maintenant voilà. Hop 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 hop. Aïe aïe aïe, le Rouen qui vient de percuter de la torpille. Donc là faut vraiment pas qu'il prenne de dégâts maintenant. Bon, on prend à sa place sinon. Donc là c'est à dire qu'il va falloir se mettre sur la gauche. Où qu'il est? Il est derrière. Oh. Aïe, il m'a tiré dessus. Attention les Vla. Les Vla de l'autre côté qui apparaissent. On va dire les premiers obus. Le Bayern est mort, clairement. Messieurs. Surtout que là, il va y avoir les torpilleurs qui vont commencer à arriver. Voilà, les bombeurs. Ah oui, tiens, 8 déjà. Oui, oui, bah, parce que ça y est, le grave Zeppelin arrive. Voilà. Ah, voilà les torpilleurs du. Non, c'est les torpilleurs T1 derrière. Ça, c'est moins grave. Mais allez, 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 pou 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 miam miam. Allez, Prince Eugène. Il y a encore des. Il y a encore des torpilleurs à liquider. Il est où le porte-avions ennemi? Alors la dernière fois il était là. Il est pas très loin. Je vois qu'il y a un objectif secondaire comme quoi on doit le détruire. Oui, oui. Alors, on m'a demandé si après je pouvais jouer du CV. Bah écoute, on verra. On a bien citadé là, avec ta citadelle. Alors par contre, on là tu vois, à cause du temps qu'il fait, on ne voit pas si on est ciblé ou pas. Et ça... Aïe, oui, aïe. C'est ça, si t'as des obus qui t'arrivent vers toi, c'est que t'es ciblé. C'est ça. T'as quand même le repéré, donc déjà ouais. Ça, voilà, tu sais que t'es... À partir du moment où t'es pas repéré, t'es pas ciblé. C'est ça. Allez, oh allez, 3 incendies sur le prince Eugène. Ouais, le prince Eugène est mort. Ouais. J'ai collé un feu sur le... Sur je sais pas lequel. Hop, on en a un autre. Voilà. C'est quoi celui-là? Attention, ouais, là-bas, il y a les DD. Ah, ouais. C'est à moi d'y aller, du coup, avec le radar. J'arrive. Oh là là. Attention, ouais. Là, quelqu'un a du sonar? Non. Ouais. Non, parce que nous battons le Ok. Ah, ouais, je branche le mien. J'ai le mien de brancher. Voilà. Donc les cuirassés, essayez de focus le grave Zeppelin. Oh, aïe 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 aïe. J'ai hyper brode ça de quasiment la rage. Essayez de le finir vite fait. Machine arrière. Donc là, on ralentit, on faut essayer de ralentir au maximum. Wow. J'ai pris toutes les torpilles. Toutes les torpilles, elles ont été sur ma tronche. Hein. Ils ont envoyé tous les rails. Attention au Z23 qui est immobile, qui à mon avis lâche ses torpilles. Laissez-moi. C'est pas croustillant.
Ok, ça c'est fait. On continue sur le Grave Zep, Major. Ouais. Non, c'est qu'il fuit. Ça c'est fait. Aïe aïe, j'espère que le Richelieu va pas se prendre de torpilles. Aïe aïe. Ah, on a perdu. Dommage. Elle est perdue ? Oui, parce qu'il a perdu plus de... Enfin non, elle est gagnée. Bah, elle est pas perdue puisqu'il faut le... Il faut qu'il sorte de la carte, mais on n'aura pas les 5 étoiles. Non, on en aura 4. Et c'est dommage que tu vois, là il se répare et du coup il est à nouveau à plus de 50%. Mais... C'est trop tard, ça a déjà été considéré comme un échec. Alors le Discord. Salut Loïc, merci. Désolé, j'étais un petit peu. Hop, donc ça c'est bon. Alors le Discord, oh, je vais tout de suite te mettre ça en lien. Et du coup. Hop. Alors que je te mette ça tout de suite. Tac, tac. Voilà, voilà, le lien du Discord. Donc voilà, donc c'est dommage parce qu'il a réussi à se soigner. Voilà. Mais malheureusement... Bon, on n'a plus de torpilles. Donc ça c'est un petit peu dommage. Parce que comme il peut se soigner... Là, il était repassé au-dessus des 50%, donc on aurait été validé. Mais bon, voilà. Non, voilà, tac, 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 ça c'est fait. Voilà, donc c'est un peu dommage. Alors. Ok, Mickey, Monsieur GK. Alors, tac, j'avais Léviat. Voilà. Oui, il y a un héliport, oui, sur le République, mais voilà. Donc, du coup, alors, donc j'ai deux personnes. Oh, bah, de rien, hein, Morox. Hein. Voilà. Donc, du coup, s'il y en a qui veulent encore rejoindre, je peux. Voilà. Oui. Seb. Alors, ben là, parce que là, je suis complet. Ah. Donc, voilà, donc je vais. Si éventuellement il y en a peut-être. Parce que là, j'ai deux. Donc, il y a Léviat et Mickey. Voilà. Si jamais tu me vires, hein, tu peux me virer. Hein, Bah, oui, c'est ça en fait. Il faut bien protéger à gauche pour éviter de se faire. Et voilà, exemple POC. Ok, donc j'en ai 3. Donc, voilà, il faut bien protéger à gauche par rapport à tous les destroyers. Parce qu'en fait, c'est pas difficile. C'est juste qu'à la fin, ils te font les rushs YOLO pour lâcher les torpilles sur le. Sur le cuirassé. Voilà. Alors, Morox. Merci, hein, merci Morox. Je fais. Hop. Tac. Donc, je mets en priorité donc Léviat, qui avait demandé avant. Voilà. C'est ça, il faut surtout. Voilà, exactement. Il faut surtout éviter. J'en ai un autre. Et j'ai passé le Richelieu full avec la Free Exp. Comme ça ira mieux. Voilà. Et effectivement, voilà, c'est ce qu'il y a de plus... Ah, attention, Xampoc. Le cuirassé, j'espère que... Ah, d'accord, ok. Ok, d'accord, Crosswax. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, Xampoc. Cuirassé, tier 7, j'espère que c'est le lion. Voilà, bah si c'est le lion, tu peux. Voilà. Du coup, donc Xampoc, bah tu peux venir également. Hop, du coup, moi je peux prendre un radar si vous voulez. Ouais, ouais, il nous faut du radar, ouais. D'accord. C'est bien recherche hydroacoustique. Hein. Mais il est où le Xampoc? Non, ça c'est un hydro. Ouais. Le radar, c'est radar. Ah non, j'ai pas le radar. Je prends quand même l'hydro pour la détection des torpilles. Voilà. Tac. Et du coup, merci beaucoup Tiberius pour le resub. Merci, merci, ça fait très très plaisir.
Voilà. Oui, oui, non, elle est facile, hein, Loïc. Elle est facile. C'est une mission qui est facile pour les 4 étoiles. La 5ème étoile est la plus difficile parce que c'est vraiment le rush à la fin où il faut protéger le Richelieu pour éviter qu'il perde 50%. Sauf que là, comme tu l'as vu, il s'est pris la torpille qui fait qu'il est passé juste en dessous des 50%. Il a eu le temps de se soigner. Manque de chance. Ça a quand même compté comme échec. Voilà. Juste pour une torpille, c'est vraiment dommage. Juste pour une torpille, ouais. Une torpille en plus de quoi? C'était de masse. Non, okay. De Z23, t'as dit. Ah, je sais pas, il y avait 3 DD. Donc voilà. Du coup, je vais faire tourner un petit peu. Alors, Emmerich, je vais t'exclure. D'accord. Pas de soucis. Ça te... C'est bon? Bah oui. Voilà, parce qu'il faut que j'essaie vraiment. Parce que là, j'ai 1, 2, 3. Trois autres personnes. Je peux te proposer un Atlante, un Lyon ou un Richelieu. Ah, il nous faut. Richelieu. Ouais. Richelieu, ah, ça marche. Hop. On fait tellement le café en Richelieu. Voilà, du coup, je prends Mickey parce qu'il avait demandé. Voilà. Parce que du coup, j'ai du monde. Léviat, j'enlève le truc. Voilà. Du coup, j'en ai encore 2 à enlever. Balou, ça te. Ouais, bah si tu veux, tu m'enlèves. Hein. Ok. Voilà. Mais n'hésitez pas, hein, je pense que Neuneu, à mon avis, refera. J'ai une question. Ouais. La pucelle d'Orléans, normalement, on ne devait pas le gagner. Il n'y a pas un camo premium à gagner sur le Richelieu, normalement. Si, c'est la campagne hors de France. C'est la campagne en cours. Ok, donc Zampok, c'est fait. Non, et du coup, j'ai une dernière place à récupérer. Alors, qui veut bien laisser sa place? Le camo major, c'est la mission 3. Oui, Frigix, il est sorti. Ça y est, les cuirassés sont, FR sont sortis. Alors, qui veut bien laisser sa place? Parce que j'ai Torpedo qui m'a demandé. Par rapport donc à Hunter, Coyote et Marco. J'en refais juste une autre et après je laisse ma place au nom. Voilà, c'est... Ah, je laisse ma place, pas de soucis. Je fais la même, Bah, comme vous voulez. Voilà, là c'est vraiment priorité à ceux qui ont pas fait l'opération. C'est le petit souci, voilà. Ok, merci Coyote, merci beaucoup. Voilà. J'essaie vraiment de faire tourner au maximum pour être sûr d'avoir un certain niveau de cohésion dans la division. Oui. Bah, je te montre ça tout de suite, regarde Frigix. De Richelieu. Hop. Tada! L'arbre est ici, il est là, voilà. Oh, j'attends moi qu'il y ait quelqu'un qui ait que le lion. Qui n'ait pas de Fidji, ni d'Algérie, ni de Charles Martel. Voilà, tout simplement. Ouais, lion, voilà. Donc voilà, il y a les 3 cuirassés qui sont prêts. Donc là maintenant c'est du croiseur, il nous faut du croiseur, messieurs. Tiens, on va prendre ça tape bien. Fidji, oui, je prends. Il faut. Tu viens de faire un autre. Il nous en faut. Alors, Mickey, je te déplace. Crosswax, je te déplace. Voilà. Et, oh, ça c'est bien ça. Xampoku. T'es où? Oh, oui, de Richelieu, de Fidji, Atlanta, Lyon. Ouais, parfait. Je te vois pas. T'es Bonjour, où messieurs. Hello, comment va? Salut. Le Gascon il est pas sorti en fait, Galeran. Alors Xampok je te vois pas. Dis-moi, j'espère. Non, mais il y a des chances pour qu'il sorte demain, ouais. Par contre, le tier 10 il a changé de nom. Oui, il a changé de nom. Oui. Oui, maintenant on est passé dans Star Wars, hein, mais c'est pas grave. Bon, on a changé de jeu. Salon viewer, bah écoute, non, je te vois pas. Ouais, je ne te vois pas. Jolie référence à Star Wars. Sinon. Disney est partout, hein. Bah oui. Voilà, donc dès que tu entres dans un salon, je te. C'est redoutable. Bah, tu choisis n'importe quel salon. Et puis, je te déplace. Alors, tu peux pas aller en stream, évidemment, parce que c'est bloqué, il n'y a que moi qui peux te déplacer. Mais voilà, tu rentres. Oh. Ah, ça y est, je te vois arriver. Espérons que notre commandant vacancier arrive à nous faire gagner.
Décidément, salut tout le monde. Hello, hello. Salut. Alors, salut, nous avons donc Fidji, Atlanta, Fidji. Bah écoutez, moi c'est à nouveau soit Belfast, soit Atlanta. Qu'est-ce que Belfast. Vous voulez? Petit Belfast? Ouais. Allez, ouais. Je suis pas parce que je vais pas porter loin au niveau de mon artillerie, moi. Ça suffit, hein. Voilà, par contre, donc voilà, évitez de vous disperser pour éviter de s'isoler, parce que voilà, c'était ce qui était arrivé à Emric. Ça, hein, c'est Emric, je sais plus. Balou, avec j'ai plus. Ben Sakola ? Avec son Atlanta. Ah non, c'était pas moi. Il s'était retrouvé isolé. T'as besoin que je reste collé. Et du coup, après, bah voilà, il s'est fait avoir. C'est le souci, en fait, c'est que à cause de la vision, à cause de la tempête. On ne voit pas forcément très loin et donc on a tendance à se rapprocher naturellement en fait des adversaires. Pendant ce temps, en fait, le Richelieu il continue à tracer tout droit. Donc voilà, même moi je m'en suis rendu compte au dernier moment que j'avais commencé à m'éloigner, donc j'étais reparti. Mais voilà, faut vraiment faire attention à ça. Ok. Tu veux que je reste collé au Richelieu peut-être. Il faut essayer. Et à la fin, faut laisser les torpilles à sa place quoi. Ouais, il faut vraiment vraiment en fait faire une barrière autour de lui. Pour choper les torpilles des qui voilà pour éviter qu'il en prenne. Ok, je me mettrai côté torpille. Voilà. Allez, messieurs, on y va. Bonne chance à tous. Merci à vous. Merci. Merci. J'en fais qu'une par contre. Hein. Moi, je devrais partir au boulot après. Y a pas de souci. Là, sera déjà ma troisième. J'ai trois navires à faire, donc. Comme je disais aussi, moi, j'ai de faire la mission 5 étoiles et puis. Voilà. En plus, bon, pour un retour de vacances, hein, je reprends mes bonnes vieilles habitudes de casser les pieds assez basses avec mes T10 depuis que je suis abonné, enfin depuis que je follow. Ruan. T10. Qui est quoi, Ruan? Demande lui France. Ah non, il l'a pas. Non, j'ai pas. Je pense, j'ai pas l'XP libre encore, je pense, pour le débloquer. Il l'a fait deux fois. J'aime certes cette orthographe. Je lui ai demandé un navire et deux fois. Ah, désolé, Mickey, je l'ai pas. Ou alors, carrément, c'est. Il me zappe. Le souci, c'est qu'en fait, comme je regarde sur la tablette, il y a que 8 messages qui s'affichent. Et je peux pas faire défiler. Par contre, moi, je sais pas d'où ça vient, les ennemis. Je le prends même pas mal, en fait, ça me fait... Je te jure, à chaque fois, je rigole, ça, je le prends vraiment pas mal. Hein. Je suis vraiment bon public de ce côté-là, y a pas de soucis. Ça vient d'où, Seb? À plus, de quoi cet après-midi. À plus. Ouais, c'est... Alors, ici. Ça change comme PTS, des fois. Elle est ici, voilà. Première vague, c'est un Nürnberg et un T22, je crois. Alors, attends, je vais mettre de ce côté pour bien coller le Richelieu. Salut Rikiwi, salut Eleonore. L'objectif. Salut Tahiti. Ça y est, je suis repéré avion. Donc allez, on abat ces petits avions de reco. C'est les carabines, hein, ça sert à rien de sortir les Beauforts. Bon, pour l'instant, moi je suis toujours sur le chargement. Ah. Exemple. Okay. Allez, rigole, mais je crois que c'est important de les abattre parce que sinon ils viennent plus nombreux après. Oui. Il y en a plus qui arrivent. Alors, faut faire attention à ça, mine de rien. Alors, Hunter, on te fait confiance, Hunter ? T'as notre régalé là ? Le dernier, t'as envie de partir. Voilà. Généralement, le dernier, on n'y arrive pas. Alors, heureusement que t'es. Ah, je sais pas si t'es le plus rapide. Si le lion est l'escadre plus rapide. Allez. Bah, il est bien le lion. Le lion a une bonne vitesse, mais je crois pas que ce soit le plus rapide. Hein. Ah, le plus rapide, c'est Richelieu. Voilà, moi j'attendais le masse. Oh. Pardon. Désolé. Ah non, qui l'a fait tourner le Nürnberg, j'ai raté ma salle. Ah ouais, même toujours sur le chargement. Même les bots sont teubés, l'Algérie vient de percuter le Richelieu. Par contre les bots. Les bots adverses sont bons, hein, donc faites attention. C'est bon, je suis là. Ok. J'arrive. Ah bah c'est. Bah il me focus moi, bah écoute, c'est très bien. Ok. Le temps d'accélérer. Ah y'a trop de fumée, je vois rien. C'est la tempête. Ya ça suffit. Ya they're good. Ah c'est donc ça, d'accord. En train de reload. Oh il a pas aimé là le T22 là. Bon, okay, fini. Ok, c'est fini.
Je commençais à prendre pas mal de dégâts. Prochaine vague ici, attention. Ouais, exactement. Je suis repéré. Moi c'est bien, en partant en retard, je vais aller choper Broadside. Voilà, donc il y a... Ouais, voilà, exactement, faut prendre les... Cette fois j'ai pas de focus, on meilleur direct de prendre 2 DD. Ouais ouais, faut focus, le focus les DD en premier en fait. Il y a deux torpilles qui sont passées par contre. Ouf. C'est bon. Salut Spoozy, comment va? Bon, Gabriel, là ça suffit Gabriel, elle me fait un câlin Gabriel, j'aime bien les câlins mais quand même. Et du coup voilà, il me fait avancer, qui me pousse? Qui me... C'est le charme de Martel qui me pousse derrière, mais, ah mais... Détoile sur le T22. Mais je vous jure, hein, ce charme de Martel... Alors Charles, je fais des... Charles, ça suffit, Charles, je t'aime bien. Mais on n'a pas fricoté ensemble, que je sache. Depuis qu'il a arrêté les Arabes à Poitiers, il veut arrêter tout le monde. Ouais, c'est ça, hein, voilà. Tout simplement parce que je suis anglais, maintenant il veut arrêter les Anglaises, hein, c'est ça, hein. Ah, on pourrait croire que c'est un tampax alors. Ah non, je voulais pas la faire, je voulais pas la faire. Il est trop tôt. Désolé, je n'ai pas tellement pensé pour ce coup-là. Par contre, attention les gars, vous allez trop à droite. 4 battleships qui ont spoté là. Ouais, attention les gars, vous êtes un peu trop. C'est pas grave. Je vais reprendre la vitesse pour repasser devant avec le mieux. Voilà, donc là c'est les torpilleurs T1, il n'y a pas grand chose, il y a quelque chose à craindre. Mickey devrait s'en occuper. Ok. Voilà, moi je me mets du bon côté. Avec l'avion en attendant, le temps de vous rattraper. Ah d'ailleurs, qu'est-ce qui t'est arrivé, Xanpok? J'ai des problèmes au niveau des chargements des maps depuis quelques temps. Ah d'accord. Oh la vache, t'as du monde là. Alors moi, ce qui m'était arrivé, en fait, moi j'avais eu ce problème-là, en fait, à un moment. Et en fait, j'étais parti, j'ai tout remis sur mon SSD et depuis, j'ai plus aucun... J'étais passé sur mon disque dur normal. Pendant très longtemps, ça marchait très bien. Un petit 20 000 sur un Bismarck. Et mais depuis quelques temps ça marchait plus, donc je suis repassé sur SSD et ça marche très bien. Ok, je me suis fait quasiment tous les torpilleurs qui arrivaient du sud. Eh bah écoute, on les a eu, ouais. C'est pas le boulot du lion, mais bon, tant qu'à faire, autant que je me rende utile. Le lion a une bonne descente quand même, hein. Donc oui, j'en ai fait 15. Ok, feu sur le tirpitz. Je dirais plutôt focus Bismarck pour l'instant. Ouais, ouais, non, mais je l'avais pas encore. Tu colles les 12 000 au pauvre Bismarck. Allez, on vise la grosse saucisse. Frankfurt. Faut pas que je prenne de dégâts, sinon j'ai peut-être la barre dans l'os pour la zone de repas. Aïe, ouille. Oh, you touch my tra-la-la. Ouais, dès que tu commences à prendre des dégâts, tu fais plus de bouffe pour les bottes. Attention au Gney Snow qui commence à arriver de l'autre côté. Je commence à l'artiller. Ça va. J'ai eu mal. Ouais, non, Bretagne, non, j'ai pas spécialement aimé. Ah, ton Twitch lag. Non. Ah. Le Bretagne est sympa, mais ça reste un tiers, ça reste. Ah, bah, ouais. C'est pas la force de la branche française, en tout cas. On va dire petit. Aïe, ah, il m'en veut ce tirpitz. Ça va aller sur le tirpitz ou... Je sors à la prochaine salle. Reçu. Sauf si quelqu'un le sort avant. 5 PS, tu le vis quoi? Je laisse. Je prends. 5 PS. Putain. Ouais, je t'avoue, peut-être que le Bretagne, je le revendrai. Peut-être, ouais. Je passe sur le Charnhurst. Eh, hey, attends-moi! Il est parti, oui. Et une citadelle sur Charnhurst. Je le genre. Genre le manque de respect, quoi. Ouais, ouais. Non, nous ne pouffons pas, nous n'avons pas de citadelle, elle est trop bien cachée. Je préviens tout le monde, tous les nous qui pensent que ben, les Allemands sont intouchables, depuis que les Français sont là, ça va être trop chaud. Hein. Je confirme.
Là, tous les mecs qui vont être broadside. Ok, allez. Zone de répa. Il va arriver dans la zone de répa. Ah, la réparation, ça va faire du bien. Ouais, c'est les petits bombeurs T1, ça, mmh. ça meurt vite. Le lion, il va faire le boulot. Quand on voit ce qu'il y a derrière, c'est bon, ça va. Voilà, allez. Yes. Ils vont arriver mais Hunter, la pile que tu m'as mis quand t'es parti, c'est n'importe quoi. Les D'accord, Galeron. T'allais 10 fois plus vite que moi pour retourner au truc. Et donc du fait qu'on est débloqué avant l'heure, les cuirassés, ça veut dire que si on revend le Bretagne, on l'a automatiquement débloqué dans l'arbre ou pas? Ah bah oui, a priori. Ouais, tu l'as. Je l'ai gagné. Ouais, c'est bon pour les bombeurs. Ok, donc là il va y avoir Bayern et 2 ou 3 DD et après ils vont tous spawner ici. Ok. À la limite Torpedo, tu vas te mettre un peu, tu te mets ici et tu smoke. Ça roule. Là comme ça t'auras des bons feux croisés sur tout ce qui arrive. Je claque tout, je claque smoke hydro. Ouais smoke, hydro, tu claques tout. Le gros DDD il va arriver de la gauche ou de la droite? Alors il va y en avoir quelques-uns ici. Et la plupart sont là. Okay, bah, et ils vont rusher comme des malades. Je vais m'occuper des ennemis à droite comme à la run précédente. Ouais. Je vais me coller sur la gauche du Richelieu et puis je vais essayer de les prendre à sa place. Voilà. Je m'avance pour que les DD me torpillent moi et pas le Richelieu derrière en fait. Et sympa voilà. Les vagues et tout. Non, franchement ils font des beaux effets. Hop, voilà, ça y est. Allez, c'est parti, justement. Donc attention aux masses. Oh la jolie salve sur le masse. Oh là je suis paré là. J'ai réceptionné le guide. Allez, le guide aussi. C'est pris 3000. Je passe sur Bayern. Par contre le lion c'est un tueur de destroy. Il est tellement joli à la seconde que j'ai connu. Attention les torpilles sont parties là. Je claque l'hydro. Ok. Effectivement. Ils sont partis, ils sont pour moi, ils sont tous esquivés. Oh la vache, il y a quand même une belle mer. Hein. Oui mais c'est bon comme on est devant le Richelieu, le Richelieu ne les attrapera pas. C'est bon. Ils ont tout tiré avant le Richelieu sur moi. C'est bon. Et hop. Ouais. Les secondaires. J'ai rien sur les secondaires, j'ai tellement de buts au cou avec les secondaires. GG. Donc là maintenant attention, le CV va arriver. Ouais. Ok, très bien. Bah écoute, on va voir ça. Voilà, allez, maintenant position de l'autre côté. J'essaie de me caler sur la vitesse du Richelieu. Non, faut être avant lui. Ouais, faut être devant lui. Il va falloir intercepter les DD ici. Mais à la fin, on dirait qu'il met le boost des moteurs limite. Quoi. Ouais, parce qu'il me crame, donc je suis au taquet, il me crame. C'est Major qui vient positionner là. Ouais. Ah bah là, je vais faire du 37 nœuds, hein, donc. T'as besoin d'aide ouais, Hunter, ouais, là. De toute façon il tire sur moi là donc hop là ah, 8 pénétrations seulement 22 000, je suis déçu. Allez. Comment ça revient? Ça y est les v'là. Vous avez gagné le premier. Donc attention aux avions etc. On a encore 40 avions à abattre hein. Ah merde donc je dois pas tuer tout de suite. Easy mode pour l'Atlanta ça. Eh non eh ouais, parce que regarde détruire des avions ennemis. Merde, les avions ils viennent par derrière aussi. Ah oui, y en a de tous les côtés, hein, donc, mais c'est bon, il y a Mickey derrière. Ça c'est des T1 normalement, ça devrait faire. Non. Ah si, c'est les bombeurs qui sont T8. C'est les T1, c'est les bombeurs qui sont T8, donc c'est bon pour derrière, le Richelieu tout seul devrait s'en sortir. Oui. Ah, Rinzagen. Je peux avoir tes safions aussi, je peux avoir. Je ne vois rien, c'est le gros malheur. 16 avions, 14. Bon, ce souci, ça va être à battre le ZEP. C'est bon, on les a, il nous reste 2 avions à abattre, 1 avion à abattre. Surtout double feu sur le. Allez. Donc attendez avant de liquider le grave Zeppelin.
Vas-y, salut Sama. Seb, y a pas de souci. Ouais, c'est bon. On a personne pour intercepter les. Ouais. Si, j'arrive. Je suis là. Ils sont en route là. Il ne manque je me dépêche d'aller sur le Richelieu pour le protéger. Je suis à côté du Richelieu. Je te rejoins. Faut penser à protéger aussi les destroyers, enfin les cuirassés alliés. Alors... Il y en a encore à droite du Richelieu ou pas qui vont non. arriver Non, non, non. Non, non, non. Là, ce qu'on voit, c'est ce qui reste. Ça y est, okay. Les dés arrivent. Bon. Allez, il y a encore un avion à abattre. Je pilonne les DD, moi. Par contre, bah, vous je crains qu'on la loupe parce que il y a plus d'avion. Si, ça y est. Si, si, c'est bon. Ah, si, si, j'ai pas tué le si t'as besoin de radar, tu me le dis. Bah écoutez, je pense que maintenant vous pouvez y aller hein, sur. Ouais, c'est bon, on peut y aller. Sur le Z23. Ouais, c'est bon. Ouais. Le Grave Zeppelin. Reçu. Allez. Je mets l'hydro. Le Z23 il prend la misère. Ouais. Il faut. Il faut. Le T22 aussi. Il y a deux Z23, n'oubliez pas. Oula, Major. Oh, la bulle anti-torpille a fait le taf. Ouais, enfin. C'était pas prévu. Faites attention, hein, faut pas qu'on perde. On peut pas perdre de cuirassés supplémentaires. Désolé. Là le souci ça va être pour couler le Z. Ouais, là faut focus le. Je suis à portée de tir, je vais lui envoyer une salle. Allez, tous ceux qui peuvent tirer sur le Z. Sur le Z. Vas-y Hunter, quoi de plus canal. Bah pour l'instant j'ai fait overpen sur overpen. Okay. Ah moi c'est pareil. Non, j'ai collé une première cita. Il y a un tube lance-torpille sur le Z23 qui est définitivement détruit. Il ralentit le Zep. Hein. Il y a des avions qui sont encore au sud des terrains. Ok, c'est bon. Ouais. On peut pas prendre de CV? Ouais, là je vais sur le CV là. Non, mais nous, est-ce qu'on peut jouer un CV sur cette map? Non. Pas sûr. D'accord. Allez, joli, allez, ça c'est fait. Le CV, allez, CV, tout le monde CV. Sur le CV. Le Grave Zeppelin, ouais. Le Richelieu est encore loin, c'est bon, on a le temps. Non. Je suis mort, désolé. Pas de soucis. Pas grave. Bon, j'ai fait. C'est bon, c'est bon. J'ai bloqué les DD. Hein. On est bon là, je pense. C'est bon, je tue le CV normalement sur cette salle. GG. Attends, faut que je m'arrange pour survivre. Ouais, parce que tu. Oh, ça devrait être bon. Ah, oui, non, c'est bon. Il est Richelieu, il passe tranquille. Hein. Comment t'as ignoré le hyper? Oh là là. C'est bon, messieurs. Ah, mais il me pousse. Oh, le crash P, vas-y, Hunter. C'est énorme. Il me pousse. Rage. Oh non, faire. Déçu, quoi. Il me pousse en dehors de la map. Il me pousse en dehors de la map. Trop de pénétration, j'ai l'équivalent des... J'ai, en pénétration, j'ai l'équivalent des 410 japonaises, vu que 381, donc... Tire dans l'eau. Bleu 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 bleu. Je prends l'eau. Bleu 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 bleu. Voilà. Il n'a pas perdu un seul PV. GG les gars. GG. À la fin, moi j'ai fait danse avec les DD quoi. J'avoue. Je sais pas si t'as vu Seb. J'étais au milieu des DD. Je suis un peu sacrifié, mais moi ça m'a permis d'avancer tranquillement. J'ai jamais battu autant de. Ah, mais en fait, je comprends qu'il y a, que le Richelieu cherche à prendre des torpilles. C'est pas un français, c'est un espagnol, Juan. Juan. Cita sur les hyper. GG. Salut Stoner. Un joli petit 5 étoiles comme oui, il faut. Vas-y, voilà. Je le tue sur cette salle si personne ne l'a tué avant. C'est cool d'être en vie avec vous en fait. Je fais 5 étoiles du premier coup, c'est cool. Joli.
Magnifique. Joli. Eh ben voilà, et voilà, dernier obus, il me colle un feu. Tu prendras bien un feu avec ton feu. Voilà. Ça va. Ouais, il est plus très loin, et voilà. Ah, c'est pas faute d'avoir pris des dégâts à sa place, hein. C'est clair. Ouais. Salut Stargate. Ah yes. Et voilà. Fouf. Bah nickel. Hein. Et en plus on gagne des conteneurs. Tu vas être content. J'ai fini full life. Alors que j'ai bourriné. C'est Neneu qui va être content après l'abonné qui lui a offert une, plus d'une vingtaine de caisses. Il va en gagner d'autres avec, avec cette mission. Merci là. Big Lion. Bah moi j'en ai à la fin, j'en pouvais plus, j'arrivais plus à tenir avec le pauvre Fidji. Là je m'en prenais dans, tout les, dans tous les sens. Non, c'est vraiment la fin. Hein. C'est vraiment la fin qui est là. Mais j'ai le carton de bourde. Voilà. Ouais, t'es belle. Ouais. C'est surtout quand tu vois tous les DD arriver au bout d'un moment. Moi en plus, elle donnait quoi cette opération? Elle te donne quelques flags conteneurs, mais surtout tu peux gagner jusqu'à 300 doublons si t'as les 5 étoiles. Ouais. Ben, on peut pas en avoir 3. Pas super utile 300 doublons. Ouais, 35 000, moi, ça me dérange. Tu peux rentrer un capitaine, quoi. Bah, 300 doublons, voilà, tu peux réentraîner un capitaine, tu peux... Non, je réentraîne les capitaines gratuitement. Je réentraîne les capitaines gratuitement grâce à l'XP Elite de commandant. Donc, Ah, ça va, tu peux acheter une place de port. Et, ouais. De mémoire, bah attends, tu sais quoi, voilà. Non, je les économiserai, je les mettrai. Voilà. Et en fait, je mettrai de côté les gold qu'on gagne aussi en clan war pour le camo premium. Et jusqu'à présent, dans le meilleur des cas, on gagnait une journée de premium. Une journée de premium, c'est 250 doublons. Donc là, en fait, on en gagne 300, donc c'est mieux en termes d'équivalent que ce qu'on gagnait. Voilà. Ah bah tiens, bah les 300 doublons, au moins ils serviront pour réentraîner le mec de l'Atlanta. Je me rappelle plus ce que tu avais dit, Seb, la dernière fois pour l'Atlanta. C'est-à-dire ta config. Moi c'est la config Cleveland que j'utilise, parce que c'est mon capitaine de Cleveland. Alors, est-ce que le fond vert est obligatoire? Ben, en fait, le fond vert, Big Lion, tu le fais automatiquement. Je vous laisse. Ciao. Ciao, ciao. C'est un fond vert. La bataille. Bah, de rien, c'était bien sympa. Merci. Que tu peux utiliser en arrière-plan. De FaceRig, et après sur ton logiciel de streaming, donc OBS ou XSplit, faut que tu choisisses les bons filtres pour faire disparaître la couleur verte. Voilà, et c'est automatique. Voilà. Du coup, bah de rien. Donc j'ai toujours Mickey avec moi, et donc j'ai une place en div. Voilà. Seb, est-ce que je peux te demander à la rigueur de me redonner tes points de capitaine pour l'Atlanta? Oui, s'il te plaît. Voilà, alors. Donc, le premier, cible prioritaire. Oui. Voilà, classique. Alors, comme c'est un capitaine de Cleveland à la base, j'ai expert tireur d'élite. Normalement, à mon avis, vaudrait mieux multitâche pour recharger l'anti-air et le radar plus rapidement. Mais bon, là, d'accord. C'est mon capitaine de Cleveland. Hein, voilà. Après, en rang 3, obligatoirement expert en démo. Expert en démo. Bah évidemment, pour mettre plein de feu. Expert en démolition, c'est ça, ok. Voilà. Non, Big Lion, non, c'est pas du tout galère, hein, ça se fait très très vite. Donc y a aucun souci. Donc voilà. Ensuite, en rang 4, IFHE, c'est obligatoire. IFHE ici. Ah, voilà, morse à inertie, voilà. Si tu veux tenir. Il ne reste que 3 points. Alors, bah ouais, si t'as moyen. Dès que tu peux, c'est de passer à entraînement avancé au tir. Garde le point. Avancé au tir. c'est une compétence de rang 4. Voilà. D'accord. Voilà. Comme moi, c'était mon capitaine de Cleveland, j'avais pas mis entraînement avancé au tir, mais j'avais mis dissimu. Et c'est vrai que là, du coup, je galère un peu quand même. Je tire pas très loin, 11 km. Mais voilà. Ouais, tu m'étonnes. Donc voilà. Voilà.
Mais non, t'inquiète pas, hein, Big Lion. Comme c'est automatique, c'est via le logiciel FaceRig que tu obtiens le fond vert. Y a pas de souci. Alors, du coup, je sais que c'est je devrais faire obligatoirement de la Kizuki à un moment. Vu l'heure qu'il est, tac tac tac. Ouais, j'ai le temps de faire les trois navires demandés. Donc j'ai GK, Chungmu et Akizuki. Donc on va commencer par du GK. Si quelqu'un veut me rejoindre pour la troisième. J'imaginais pas pouvoir non seulement avoir mon bateau, mais en plus pouvoir jouer avec la personne à qui j'ai demandé mon bateau. Quoi. J'imaginais peut-être pas, tu vois ça. Eh ben voilà. Ah mais bah j'aime bien les autres, j'aime bien regarder aussi les UFR et tout, mais c'est vrai que quand t'es parti en vacances, tu m'as laissé un petit peu en galère là. Oh. Non, c'est intéressant de voir. T'as un côté professeur, je trouve. Bah, c'est normal. T'as je suis prof. T'as ah bah t'as les mecs qui sont comment dire. T'as les mecs qui sont très forts, hein, j'en doute pas, qui sont un peu sûrs d'eux-mêmes du fait qu'ils ont des grosses capacités dans le jeu. Mais alors toi, c'est le côté. Mais t'es tranquillou gilou, machin, sur tes bateaux, c'est. Ah, il n'y a pas de stress, hein, il y a point S avec toi. Hein. Merci. Voilà, donc j'ai encore une place, sinon on va faire un snipe en T10. Donc je laisse aller 20 secondes pour que quelqu'un me rejoigne, et après on part. Ah, le Shima, j'ai pas de chance, coup, c'est rare quand je fais des... Alors attends, parce que qui me parlait là? Ah, c'était moi, c'est Emric. Bah vas-y, zut. Parce que, du vous coup, êtes en combien déjà? T10. Hein. Ah bah non, je peux pas alors. Voilà. Mais après on fera du T9, donc si tu veux... Ah, ouais. Bah je suis côtier 8. Bah la dernière partie, ce sera du T8, donc voilà. Ok, bon bah pour l'instant je peux pas. Alors Timéo, alors malheureusement je pense que j'aurai pas le temps de faire le Missouri. Pas aujourd'hui. Et du coup bah voilà, donc personne ne veut me rejoindre pour cette fois. Bah écoutez, à ce moment là hop, je vais demander un petit snipe en Télis. Bah de rien, Xampok. De rien. D'où je les connais, les Orcas? Je suis en train de bugger sur ton clan. Ah bah c'est un clan FR assez connu. Ouais non mais... J'en connais un des Orcas contre qui j'ai dû jouer. Allez c'est parti. Bonne chance. À toi aussi. Enfin... Là, il n'y a pas trop de cuirassés dans la file d'attente. En fait, ils sont tous en bas. Ils sont tous en bas, en bas, en bas, en bas. Ils sont tous au tier 5, tier 6, tier 7. C'est horrible. Bah ouais, parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir la... d'avoir les Français, donc ils sont en train de les rusher maintenant, quoi. Moi, j'ai eu la chance, à part le Richelieu, je les ai tous eu. J'ai chopé la mission et aussi sec, j'ai eu le bateau derrière. Moi, ouais, j'ai eu Bretagne et Normandie. Normandie que j'aime beaucoup. Ah bah quand tu vas passer au Lyon, tu vas apprécier. J'espère. Je sais pas s'ils vont le... Par contre, le nerf un petit peu. Parce il a que été bon... nerf, hein, déjà. Il a été nerf. Ah bah disons pas assez, parce que les incendies... Enfin, moi je suis content. Incendie, si t'as, ça passe tranquille. Quand tu fais une partie avec 11 incendies et 15 citadelles, t'es content. ça y en part. Bienvenue en Télis où il y a plus, on avait quasiment jamais de croiseurs. Dommage. Ah non, c'est non, très... y a que des Destro. C'est très très bon les croiseurs en Télis. Qu'est-ce que je m'amuse. Mais je sais pas, sur en croiseur, je voulais partir sur le Desmoines, mais comme c'est un croiseur de placement et pas un croiseur qui navigue beaucoup. Tu prends Lindenburg. Enfin, tu peux prendre Lindenburg. C'est un mini cuirassé en fait. L'allemand. Ouais. Ah bah tiens, il y a déjà un République. À un moment, tout le monde me parle de Zao. Zao, il a... Oui, il est bien, mais il est moins... Oh, et Garland, c'est Garland. Je croyais que c'était Galerand. Galerand 12, mais non. Du coup, est-ce qu'il y en a qui nous ont snipé? A priori, pas de chez nous. Et de l'autre côté...
les JSF, je sais pas si c'est avec nous, si c'est des Français. Oui, c'est ça, voilà, exactement, Don Diego. Je pense qu'avec la discrétion, B plus C, ouais. Tu es en qu'ils ont. Pas... Non. De toute façon, moi je me mets entre A et B, quoi qu'il arrive. T'as besoin que je te fasse une smoke ou pas? Je suis un Sheka. Ça ne sert à rien. Alors. Ah, il y en a qui aiment bien tes disques cuirassés se faire mettre des smokes. Ya. Alors. Ah, cet accent allemand. Donc toi, tu ne vas pas sur B. Hein. D'accord. Il y a déjà l'Ochima qui y va. À mon avis, il y va un peu à sa perte. Je vais sur A. Ouais. Allez. Parce que franchement, quelle idée de dire hey, on va sur C. Il y a pas, on n'a pas de DD sur C. Donc. Non, en plus C, tu auras très peu de couverture. C'est fermé c'est, sur B c'est parce chaud, que. C'est chaud. Ouais. T'as les îles qui empêchent tout tir d'artillerie. Non. Et la manœuvrabilité, quand je suis en DD, j'adore aller sur C parce que les petits cuirassés qui ont l'audace d'y aller, c'est clair. Bon, lui, ouais, il s'est mis au bon endroit dans le sens où il est vraiment juste en bord, prêt à repartir. Donc ça, c'est bon. Putain, il est magnifique le GK. Ah, et sa manœuvre. Ah, je sais, j'ai compté avec aujourd'hui, ça fait 5 fois que je te le fais sortir. Voilà, donc j'ai les canons pointés. Tu vas bientôt pouvoir me faire une carte d'abonnement. Je suis pas spoté encore, hein, donc. Non. Ils sont en train de KPC, évidemment. Ou peut-être qu'ils ont été stupides et qu'ils ont mis le. Ça y est, je suis repéré, il est là. Ah. J'en ai le un cap et qu'on teste sur B ? Oui. Oui, oui. Ok. Ah, j'ai un Richelieu. Dommage. Ouais, je vais te faire lui faire mal. Je vais attendre le dernier moment pour sortir la smoke. Attends, c'est une impression ou il s'est bitché ton Richelieu? Ah, je sais pas, je vois pas. À l'angle de l'île, j'ai l'impression, attends. Il y a quelque chose sur. Ah, là. On l'a vu un instant. C'était le gearing. Ok. Je rentre sur le cap ou pas? Oui. Ok. Allez. Blood of Campers. Je smoke pas. Je suis spoté, donc c'est toujours le gearing. Qui vient de s'avancer. Ouais, ton Richelieu est pas. Il avance. À la limite de l'île. Salut Nilot. Ça y est, Gearing. Là. Mince, il a smoké le Yugumo. Ah, il y a un Yugumo, ok, sonar. Là, je peux faire très mal au Montana qui me regarde pas. J'ai tenté de torper dans l'azimut du Richelieu. Je vais voir ce que ça donne. 11 000. Yeah, c'est pas mal. Ça y est, v'là les torpilles. Tiens, ça torpe. Ouais. T'as un hydro qui porte à combien sur le GK? Attends, je vais regarder. Je suis plus 4 km, je crois. Ouais, c'est pas mal quand même. Thank you.
Oh, mais c'est pas possible. Regarde, mais regarde derrière. Oh, bon, elle est perdue. Hein. Elle est perdue puisqu'ils nous font du camping. Ils ont pas voulu avancer. Super. Richelieu. Va falloir que t'avances. Ah, il est là. Ah, il y a un... ah non, le Gouma. Qui c'est qui me bloque sur la cape? C'est le Richelieu. Toujours le... Ah, ils avancent pas, c'est dingue. Il n'y en a aucun qui avance. Ah, Sita! Je torpe le Richelieu encore. Eh non, tu ne seras plus rien, effectivement, Zampok. Non, c'est-à-dire que tu as atteint le niveau max. Richelieu touchait une torpe et un flood. Ok. Il a réparé. Ah non, pas encore. Ça y est. Ça y est, il a réparé. Personne pour s'occuper du Yugumo. C'est incroyable. Il va récupérer sa smoke, le Yugumo. Attends, j'ai mis souris. Retorpe. Donskoy va y passer. Donc là, ça y est, moi je suis face à toute l'équipe adverse qui va commencer à me focus. Partir dans l'autre sens. Et Hydro. Je sais que je suis pas du tout au bon endroit. Mais si on ne fait rien, ils viennent les tirer maintenant. Oh, oui, oh, j'aurais fait du tout droit, c'était bon. Bah, je suis mort. Oh, j'ai un torp croisé. Oh. Bah oui. Voilà, boum. Allez messieurs, je suis mort. Au revoir. Wouh! Ponk, 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 ponk. Voilà. Ah non, regarde, ils sont tous partis sur A. Tous partis sur A. Salut Walkie. J'ai pas compris là. C'est... Ils ont rien fait? Peut-être moi qui... C'est une façon bizarre de penser, mais bon. Ils ont tous fait un lemming sur A. Mais il n'y avait pas besoin, c'est ça le pire. Il n'y avait pas besoin. Il suffisait que le Missouri, qui d'ailleurs, voilà, et le Missouri, le Donskoy était face à C. Ils avaient juste à se mettre au niveau de B. Un seul suffisait pour faire un radar sur B et c'était fini. C'était bon, on les tenait. Ouais, mais surtout que voilà, la trajectoire idéale c'était de couper entre A et B pour artiller ceux qui étaient sur A. Bien sûr. Sur B il y avait personne. Ah là là. Donc clairement, mais voilà, tu comprends, le Missouri il a eu peur. Parce que le Missouri il est full life. Hein. Donc le Missouri il s'est caché depuis le début. Ah mais le Missouri, ouais, il est rose. Hein. Bon bah ouais. Voilà, donc maintenant ils vont tous suivre le Montana et le Missouri. Tu paries?
Voilà. Ah là 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 là. Mais il y a oui, pas. Oui, non, besoin. Mais bah, je sais bien, Bastos. Hein, je sais bien. Salut, Arsenic. Même moi, là, en 9 minutes, j'aurais pas le temps de faire le Montana et le Missouri, donc. Non, en plus, ils sont en train de fuir, donc. Oh, mais c'est pas un GK qui oserait venir sur. Si, 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 si. Il y a un GK et un Mogami. Ah, le Mogami, je suis un peu moins fan, mais. Ah, oui, problème, c'est le République maintenant. Oui, 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 tout à fait, Tahiti. Je peux même pas torper le GK parce que il y a les petites îles qui vont arrêter mes torpilles. Ouais. Bon, de toute façon, voilà, regardez. 875. Ça y est, le Shima vient d'apparaître. Donc en gros, ça va donner un Tirpitz mort. Attention, le Missouri va te radar. Oh, c'est sûr. Comme les alliés ne m'ont pas suivi en plus. Ah non, regarde le République, il a fait marche arrière. Donc voilà, c'est bien ce que je disais, le Missouri continue à fond pour aller. Oh bah joli. Une touche, deux touches sur le Missouri, je crois. Allez, vas-y, passe sur le Missouri pour essayer de le brûler. Voilà, y a rien. 977. Ouh, 6000. Ah, ça y est. Ça y est, tes radars. Et voilà les torpilles qui arrivent. Bon, ça s'esquive. Allez, j'en ramasse une. Mais je ramasserai pas la deuxième. Oh, 36 points de vie. Fouf. Ah là là. Je pense qu'un des deux, le République, est premier de notre équipe. Je comprends pas. Le Missouri est dernier, ça c'est normal, mais là je comprends pas la République. Je sais pas. Non, mais le Missouri, voilà, c'est normal. Il a rien fait. Même le gars qui était en Tirpitz, qui a été déco une bonne partie de la partie, a fait mieux que lui. Oh là là. Ah non mais... Yes. C'est le Missouri, c'est... voilà, le Missouri se serait mieux placé, c'était bon. Ah, enfin. Exactement, ça, il a juste survécu avec la peinture. Du coup, du Chungmu. Allez, c'est parti. Du c'est T9. Quel tiers? T9. T9 tu veux peut-être que je change? Il n'y a pas de... Sauf si on me demande, a priori. Non, peut-être au niveau du bateau, surtout. Bah que tu fais comme tu veux. Voilà, moi je, de toute façon il faut que je joue mon Chungmu, donc il n'y a pas de souci. J'ai encore une place en div, hein, donc n'hésitez pas. Alors, bah écoute. Parce que si je prends un Shima, ça risque peut-être d'être embêtant pour le Chungmu, non? T'as pas de T9 hein? Ah non, si, mais si, coup, si, ah oui, du aussi, oui, non, mais très bien, parfait. Parfait, parfait. Donc non, personne ne veut nous rejoindre. Oh. Là, je vais mettre un drapeau. Ah, d'habitude ça se bouscule au portillon. Bah, quand même. Ouais, ouais. Ah, les gens, ça dit, il est rentré de vacances. Vous voulez pas trop abuser de sa bonté ou quoi? Comment ça se passe? Non, ils veulent me couler. C'est ça en fait. Voilà.
Et bah du coup, un snipe en T10. Ah, je comprends, un inconnu. T9. Oui, pardon. T9, oui, pardon, snipe en T9. Oui. Dans mon clan, on me recommande de jouer un artilleur assez polyvalent. Je sais pas quoi jouer en DD. Si je dois partir sur le Gehring, pur artilleur, sur le Yue Yang ou sur le Z52 avec son hydro. Les styles de jeu sont vraiment pas les mêmes. Parce qu'on m'envoie souvent en fait en spotting. Ouais. En solo, c'est-à-dire que l'équipe part d'un côté, moi on m'envoie en solo prendre des infos. Ok, bah à ce moment-là, si tu veux un DD T10 comme ça pour prendre des infos, etc., Z52 avec l'hydro. D'accord. Et ou alors, voilà, attends, bah attends, justement, Nihilot. Sinon, tu as beaucoup plus couillu parce que tu sacrifies ta smoke, c'est le Wewang. Parce que tu as accès à un radar. Alors il dure 15 secondes. Mais c'est utile. Le souci par contre du Wewang, c'est qu'il faut que tu sois bien coordonné avec ton équipe. C'est-à-dire que tu peux pas partir d'un côté tout seul. Ah. Parce que tu risques de tomber face à un Gearing ou face à un Z52, etc. Et du coup, ça peut être plus problématique en fait. Le Wewang radar est très bien si tu as un navire derrière pour t'aider et te soutenir. D'accord. Voilà. Mais en termes de puissance de feu, tu mettrais lequel devant par contre ? Les trois sont bons en termes de puissance de feu. D'accord. C'est plus une question de... À la limite en termes de puissance de feu, peut-être le Z52 parce que t'as les torpilles qui rechargent vite. Et que la P peut taper cuirassés en plus. Ouais. Tout à fait. Du coup, nous avons Rapace avec en face. Le Kagero part sur B. Est-ce que tu veux que je te suive sur Je vais sur C. Bon ben, je te suis. Ah oui, parce que le Z52 là il a un hydro, donc c'est pas mal. Tu peux quand même te planquer dans ta smoke. Et t'as les torpilles qui vont à 10,5 km et qui se rechargent toutes les 69 secondes, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc c'est vraiment, il est très 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 utile. Après j'aime tous les DD, hein. J'avoue que même le français, j'espère bien l'avoir à un moment. Mais c'est vrai que chez les DD, il n'y a rien à jeter. Autant d'autres classes de navires sont pas très très avantagées suivant le tiers ou suivant la nation. Mais j'avoue, en DD, ils ont tous un truc sympa. C'est ça. Et voilà, ben justement, Sama, c'est ce que je disais. Le Wewang est en équipe est plus puissant puisque tu peux... délaisser ta smoke au profit de voilà du radar. Exactement. Ouais, mais c'est un peu dommage parce qu'un Z52 et un Gehring, eux, non seulement ils ont pas à sacrifier la smoke, mais pour le Z52 ils gagnent un hydro, et le Gehring il a une cadence de tir un peu plus élevée. Alors, et avec oui, des torpilles oui, classiques. Bien sûr, je sais bien. Mais oh bah le Takao il va rentrer en plein dedans. Ah oui. Bye bye. Oh là là. Oh c'est tellement traître. Ah non, il va les éviter. Dommage. Elles étaient belles, hein, mes torpes là.
Oui, oui. Éviter les deux. Aïe, la sonar. Je comprends le cochon. Sauf que moi, dans 8 secondes, mon petit... 4 secondes. Oh, j'ai du lag. Oh, j'ai du lag. Oh, joli. J'ai eu du gros lag là, je sais pas pour vous, mais j'ai eu du gros lag. Oui, je dirais même quand. Beau cop. Ah non, c'était le Mosva qui me radar, qui m'avait balancé un petit radar. Salut, je baisse tes sangs. Alors oui, elles étaient faciles à esquiver, mais c'est les Deepwater, Galran. Théoriquement, il aurait pas dû aussi vite, quoi. Il les a vraiment esquivés. Ah, toi, très, t'as eu une déco en début de partie. Ouais, j'ai l'impression que là, du fait de la mise à jour, les serveurs sont un peu en PLS. Oh, coucou, coucou le... Oh, il y a un rune derrière en plus. Ouais, ouais, ouais. Oh, le Saint-Louis, oh, le Saint-Louis. Ça me dit pas que j'ai pas assez anticipé. Si, c'est bon. Allez, au revoir, la Yowa. Joli. Et t'as le rune derrière. Ouais, mais il va tourner. Derrière. Il va tourner. Parce qu'il est au niveau de la carcasse du de la Yowa. Donc je peux pas lui tirer dessus. Un feu. Voilà, ça y est, c'est parfait, ça arrive, ça arrive. Allez, 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 allez. Pop. Et je m'en fais. Bye bye. Oh. Ah, il y en a. Ah non, c'est toi. Je repars sur C. Non. Oui. Tu vas sur quel cap? Moi, je vais défendre C parce qu'il y a le Mosva. Ok. Ok, j'essaie de. Là, je suis en tier 9. Qu'est-ce qu'il fait? On sait jamais. Mon Dieu, il y en a marre de ces gens qui font des lemmings. Ah oui! Non, ils sont tous derrière nous. Oh! Oh non! Voilà, maintenant. Hop! Oh le minot! Stop, oh le minot! Des gros lags. Hein. Oui, oui. En vocal.
Attends. Ouais, c'est un petit peu ça, effectivement. Voilà, le minot a réussi à s'échapper. Ah ouais, c'est terrible, Seb. Oh là là, oh la vague de torpilles. Le Richelieu réussit tout juste à s'échapper. Ah, je suis radar. Merci, rapace. Tu parlais du... Le Conquérant, oui, je l'ai, c'est bon, je l'ai eu. Allez, bougez-vous les fesses. Je peux pas tout faire. Le Richelieu est bitché. J'ai... Ah oui, exact. Dommage. J'ai deux navires qui sont tellement bien placés. Salut Momo, salut Davilé. Oh non, c'était moi qui le spottais, sérieux. Montana est en train de tourner par ici. Sérieusement? Alors là, je peux pas l'attraper, le Montana, il est derrière. Allez, Lyugumo, faut le sortir là-bas. Hein. Je m'en occupe. Ah, j'ai mal joué mon coup. Ah, il va me sortir. Je te le laisse à 800 points de vie. Désolé. Je peux pas. Coucou, au revoir, bye bye. C'était de la bonne grosse livraison à domicile, mais je peux pas. Il est mort? Non, il est toujours pas mort, le Yugumo. Non, non. C'est ce que je te disais, ça, j'ai laissé à 800 points de vie. Désolé. Vraiment. Ah, j'ai même pas eu le Yugumo. Et ça a lagué au moment où je... Ah, j'ai... Il y a les gros lags, là, quand même. là, c'est impressionnant. Il y a du bon gros lag et j'ai pas réussi à coller les torpilles. De toute façon, elle est perdue. Salut Dufour. Ah, c'est. Ah, ça lag comme c'est pas permis. Je regarde de mon côté si j'ai pas de. Non, là je suis en débit excellent. Pas d'image de perdu. Ouais, non, c'est le serveur qui. Aïe. Waouh.
on a un Montana Full Life. Ouh. Mais comme c'est étrange. Et le Montana Full Life qui joue en mode sniper. Merci, merci JB. Là, là, là. Et comme c'est étrange, on est à nouveau dans le haut du classement. Eh ouais. Oh, c'est bizarre. Enfin. 60 000 de dégâts, non, c'est pas bien. C'est pas bon, ça aurait pu être nettement meilleur. Clairement, ouais. Du coup, de l'Akizuki maintenant. T8, Akizuki, c'est du DD. Ouais. Est-ce que tu veux que je sorte un cuirassé? Comme tu veux, tu fais bien comme tu veux. Alors dans ce cas-là, je te sors un Tirpitz. Rome qui est tombé amoureux du titre du République. Ah. Bah déjà que, enfin, le petit truc c'est que ça aurait pu être pire. S'ils avaient laissé le nom tel quel, t'aurais été obligé de mettre une chanson sur ton Twitch le jour où t'aurais eu le navire, quoi. T'aurais été obligé de mettre du Michel Sardou. Ah, autant, oui, bah oui. Ne m'appelez plus jamais France, oui, bah c'est vrai. Je pense que le jour où je récupère le République, c'est effectivement ce que je mets comme. Voilà. Ah, c'est terrible. Hein. C'est vrai. Bah du coup, on va pouvoir faire. Est-ce que j'ai mis Ouais, c'est bon. T'es prêt. Je vais pouvoir faire un snipe en T8. Toujours. Voilà. Personne pour. Ouais, mais j'ai l'impression que tous les modos sont partis. Mais c'est surtout que. Je sais pas, y a pas ton fidèle acolyte Renault. Celui avec qui tu joues souvent, pareil, il a une voix hyper posée. Ouais, c'est Renault. Ah, non, il est pas là, il est pas là ce matin. Donc, ouais. Y a personne. Et du coup. Renaissance, ça n'est pas là. Renault, Renovatio. Mhm. À chaque fois que je pense à lui, je pense au dessin dans The Island. Allez. C'est dommage parce que ma partie était pas mauvaise. Pourquoi ils ont fait un lemming, quoi? Ah, ça y est, tu vois, on est descendu un petit peu, entière. Tu vois, on était 8 et blop, à nouveau une tonne de cuirassés. Oui, ah, oh là là, mon dieu, oui, effectivement, c'était vrai. Je suis fatigué en fait, ça m'a. Je suis fatigué, t'as raison. Le week-end, est-ce que je joue? Moi, personnellement, je joue très peu le week-end. Je joue très peu parce que. Déjà, j'ai la vie de famille. Et. Comment dire? Les parties sont parfois frustrantes. Voilà. Déjà, tu joues pas mal pour quelqu'un qui bosse aussi à côté. Waouh! C'est vrai. Et t'es professeur de quoi, tu disais? Histoire géo. Ah, j'aurais été fan. Hein. T'es dans une classe en particulier ou tu fais l'histoire géo Bah ouais, dans le secondaire, ouais. Je vais pas bosser le week-end en plus de la semaine. Voilà. Ah. Alors, ma livraison va avoir lieu quand? Tiens, par hasard, on m'a posé la question et tant qu'à faire, j'ai la chance avec toi d'avoir quelqu'un qui est de côté de la barrière. Oui. Tant au niveau des navires de guerre qu'au niveau de l'histoire, t'as des sites à recommander ou pas? Je t'avoue, moi je suis encore un peu vieille génération, donc
Je tourne énormément sur les bouquins, en fait. Ah ben, si ça peut t'intéresser, t'as l'encyclopédie visuelle des navires de guerre qui est très bien. Et après, j'ai des bouquins sur... attends, qu'est-ce que j'ai ? Là, le dernier bouquin en date que je me suis acheté, c'est Mussolini's Navy, donc en gros, l'histoire de la marine italienne des années 20 à 1943. Enfin, même un petit peu après, parce que certains navires sont évoqués jusqu'aux années 60, en fait. Certains ont été en série jusqu'aux années 60. Donc, c'est 240 pages sur les navires italiens. D'accord. Ils avaient une marine, les Italiens ? Ben oui. Ils avaient pas que des pédalos. D'accord. Ah, je suis Reaper. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a un DD qui arrive face à moi. Je te lâche pas pour le moment. Je suis ciblé. Ouais, il y a quelqu'un sur B. Oh, ça va, c'est un North Carolina. Il y a quelqu'un sur B. Ouais. Ah, la personne... Ah non, je suis toujours repéré, ciblé. Alors, guide de là-bas. Ah, c'est le North, à nouveau. Question marine, pour toi, c'était qui les maîtres des océans ? Ça dépend, à quelle période, quelle... Seconde guerre. Seconde guerre. Alors, attends, ça c'est le man. Donc c'est le Kagero qui est sur... qui est sur B. Sur B, ok, ça marche. Ça marche. Donc il est derrière l'île. Voilà, c'est surpéré. Comment ça se fait que je le vois pas ? Comment ça se fait que je le vois pas ? Ah, il est là-bas. Oh là, ça sent mauvais pour moi, ça. Oui, donc pour répondre à ta question, après en fonction de la doctrine employée, je dirais quand même les États-Unis. Je sais, ça paraît tout bête, mais du fait de leur potentiel industriel, ouais. Ils pouvaient aligner énormément de monde. Allez, je charge le Kagero. Ça marche. Je vais essayer de te couvrir. Bah après c'est... Non ton... De ce point de vue, parce que bon, on avait les Britanniques historiquement maîtres des océans. Oui. Tout, donc bon. Mais au niveau de la pensée de domination... Tiens, regarde. Coucou. Aïe, oui, aïe, aïe. Ah la vache, ce que je mange. Et les lags que je prends, c'est incroyable, quoi. Mais de toute façon, je suis mort. Là. Non, je suis pas mort. On marque entre un Normandie... Ouais, il me reste 300 PV. Au revoir. C'est vrai que t'as des lags aussi. Ah, j'ai des gros lags, quoi. Dès que ça zoome, c'est fini, quoi. Et voilà, il y a à nouveau un lemming. Ouais. Mais ils ont plus de DD. Pourquoi encore des lemmings ? Sérieux ? C'est la nouvelle méta.
Pourquoi? Je sais pas, tu les inspires. Oh, citadelle sur la Galison. Ah bah oui, là faut en profiter là. Donc là ouais, faut focus. Voilà, bien joué. Allez. Maintenant faut focus le North. Je vais essayer de me rapprocher lui en mettant mes... Ouais. Le canon aussi sur la galissonnière pour la terminer. Ouais, focus la galisse. Ouais, non, c'était pas utile là les torpilles, je pense. Moi non, j'aurais pensé qu'elle serait un peu plus impétueuse. Ouais non, Duke of York, là va peut-être falloir se calmer. Il y a un Atlanta avec, hein, donc fais attention. Mort. Ah oui, ça, ils t'ont focus comme c'est pas permis. Si t'as moyen de... non. T'as eu le temps de tirer. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont tous à faire des lemmings? Bon, J'ai au moins la satisfaction de leur avoir fait perdre un peu de temps. Oui. B. Retour au port. Attends, je regarde juste. Voilà, le Fouchou okay. Est en train de caper tranquille. Bon, normalement, ouais. S'ils font pas n'importe quoi, elle est gagnée. Elle est gagnée, ouais. Attends, je regarde juste si le Fouchou n'est... Ouais, faut pas qu'il approche trop pour pas se mettre à portée de radar du de l'Atlanta. Surtout que là, s'il se fait choper par l'Atlanta, il va se faire automatiquement focus ouais. Par le Duke of York. Ok, donc c'est bon. Normalement, elle est gagnée s'ils font pas n'importe quoi. Enfin bon, après, voilà. Du coup, je vais refaire du français pour ma dernière. J'ai tous les tiers donc. D'accord. Pas de soucis. J'ai pas de tout, mais j'ai tous les tiers. Alors... Je regarde. Ah non, c'est pas par rapport à ça, j'étais en train de regarder s'ils ont toujours pas mis de notif. Ok, ils ont toujours pas mis de notif. Ok, à plus Morox. Ouais, toujours pas de notif pour le grave Zeppelin, donc je sais pas quand c'est qu'il va sortir. Les containers qu'il y a à gagner dans l'or de la France, c'est des containers classiques ou c'est la collection Vive la France ? Vive la France. Ok. Tant pis, je vais faire mon tier 6. Je vais essayer de monter le Normandie. Tu veux du... Ok, ça marche. Booster à fond les crédits. Tu préfères quoi, un DD ou un croiseur pour t'aider? Peu importe. Peu importe. Parce que je veux pas. Ok.
XP libre tout de suite. Moi les deux j'aime bien jouer. Fubuki ou Galissonnière, j'aime beaucoup les deux. D'accord. Alors il est où Fubuki. Voilà. Ok. Et bah du coup, un snipe en tier 6, s'il vous plaît. Même si je pense qu'il n'y a toujours personne. Ah, c'est la reprise. Les gens ne sont plus habitués. Non, c'est pas forcément ça. Il n'y a pas forcément tout le temps des... des gens, tout en des modos. Allez. Hop. Voilà. Donc forcément. Beaucoup de cuirassés. Ben, nature liche. Pas grave. Oh, ça me dérange pas. Au contraire, moi ça me plaît beaucoup. J'en profite, merci à Major, Mephiston et Val aussi pour les loots. J'ai du fromage qui pue est arrivé. Voilà. Une minute d'attente, ça va, c'est pas... Ah là là. Tous ces Français. Il n'y a que des Normandies en et quasiment que des Galissonnières. Non mais il y a trois navires étrangers. Shino, Mutsuki, chez nous qui sont pas et Fubuki, voilà. Et de l'autre côté, Fubuki, Mutsuki et Liander. Tout le reste, c'est voilà. J'ai jamais vu un truc aussi franco-français, quoi. Pocho. Ah ben là, ça vaut une capture d'écran, ça. Hein. Alors. Mais c'est bien. Everett est bien élevé. C'est ça, c'est la guerre civile française. Alors, il n'y a pas de CV. Exactement, je suis assez d'accord. Attention à ce côté-là. Monsieur Seb, bonjour. Hello. Alors, j'ai pas fait exprès, Attends, je vais juste couper ça. Voilà. Ah, il y a un Français. Il y a un Français. Il y a des Français. Voilà. Et donc voilà. Donc c'est bien parce que du coup voilà, on sait qui est Français. Alors moi je suis repéré évidemment, parce que j'ai pas choisi la discrétion. Ah, on Normandie. Ah bien sûr chocolatine, hashtag chocolatine power.
et une galissonnière. Bon, 4000. Il est... Ah, attention, il y a un DD, voilà, il y a l'aigle. Tu vas me torpiller ça quand même. Ouais. On va le faire sortir de là. Hein? Mais 68 qui se prépare. Il s'en va direct. Oui, 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 il veut me tête, il veut me titiller. Ça marche mieux, Seb, le tir séquentiel sur le Normandie. Plus précis. Attention Mickey, je tourne. Ah, ah bah une cita. Voilà, ça, ça fait toujours plaisir. Et un deuxième Normandie qui passe. Ah non, c'est une galissonnière et un Normandie. Donc c'est bien pour le moment. Oh, 4 Normandie qui arrivent. Ya, ya. Good, good, good. Oh la jolie, oh la belle cita. Ah, c'était une belle cita. Oh, you touch my tra-la-la. Attention, ouais, là tu vas y passer là. Ma main. Je vais rejoindre les abîmes. Ah, il pique. Ça dépend entre séquentiel et... Et boum ! Ah ah ! Je t'ai eu ! Oh, je ne te vois plus. Voilà, tout va dépendre. C'est vrai que... En fait, le séquentiel... va te permettre d'ajuster systématiquement ton tir. Voilà. Ouais, bah décidément, ça tombe vite de l'autre côté cette fois. Donc voilà, tout simplement. Si tu sais que tu as un navire par exemple relativement précis ou que tu sais pas trop comment si tu vas le toucher ou pas, tu tires en séquentiel et tu fais des micro-ajustements. Tu fais comment le tir en séquentiel? Un clic. D'accord. Faites le tir en séquentiel. C'est ça. Voilà. Ok. Par contre, t'as des canons secondaires assez bas dans la coque, ça doit être sympa pour les. Voilà, par contre, tu vois, voilà, j'ai encadré parce qu'évidemment, il a tourné. Moi, je me focus sur l'aigle. C'est quoi, je fais carrément le F3. Ah oui, smoke toi. Ah oui, smoke. Ah ben là, je l'attends. Bah non, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête pas. Eh bah écoute, cadeau alors. Un petit peu derrière. Mais ça va toucher. Oh, j'ai encadré. Par contre, là, voilà, je pense qu'il va essayer de me chercher. Et du coup, sors-leur du Stone et Chardin, ça va leur faire du bien. Laisse les gondoles à Venise.
Ah, je pensais plus à Made in Normandie. Oui, bon, ça y est, appuie l'aigle. Ouais, non, mais l'aigle il jouait comme un pied. Voilà. J'ai pas fait grand chose en termes de dégâts. Ça a été tellement violent. Oh, il s'est arrêté, le petit œuvrette. Oup. C'est violent, très violent. Evrette, c'est pas un des joueurs qui te suit en plus ? Si, si, bien sûr. Alors, Je suis dans le salon. Ah, en plus ! Alors, qu'est-ce qui est mieux, HE ou AP ? Si t'as un navire de flanc, AP. Surtout si t'as un cuirassé. S'il est anglais, donc légèrement incliné par rapport à toi, eh bien, éventuellement envisager autre chose. Voilà. Après, suivant ton calibre, tu peux rester à la paix puisque tu peux ce qu'on appelle overmatch, c'est-à-dire dépasser la valeur de blindage de la proue. Voilà. Comme un Yamato. Voilà, par exemple, le Yamato, il overmatch n'importe quoi. Donc en gros, que tu sois anglais ou pas face à un Yamato, il va te toucher, il va te percer quand même. Après, face à voilà. un Yamato, faut peut-être mieux être américain ou français. C'est ça. Donc voilà. Si t'es un croiseur, si ta cible en face est un autre croiseur, tu peux tenter la paix, pareil, voilà, s'il est incliné. Si par contre, évidemment. Voilà, là par contre, ça passe. 5000, parce que j'ai pas mis assez de lead. J'ai pas assez avancé. En plus, voilà, c'est Everett hein, qui se prête à l'expérience. Et pour tes soupçons comme quoi les serveurs sont en PLS, je te confirme, vaut mieux pas faire le suivi de trajectoire des obus parce que ça lag. Donc là voilà, là je suis de face. Suivant le calibre, normalement ça va rebondir. Mais voilà, tu vois, pof, voilà, 3 obus qui ont touché, 3 obus qui ont rebondi. C'est le principe, voilà. Mon calibre est trop petit, je ne peux pas l'overmatch, je ne peux pas percer sa coque. Donc c'est pour ça que si je veux toucher Everett, alors quand il est comme ça, c'est soit des obus HE, soit tirer sur les structures. Donc en haut, ici. Voilà. Donc là tu vas voir. Cuirassé ennemi envoyé par le front. Mauvais exemple. T'es avec du FR et tu manges sévère. Ah bah oui. Oui, ça forcément. Plein qui vont s'en donner à cœur joie. Évidemment. Donc, c'est clair. Voilà, voilà. Pof. Pof. Je récupère. Voilà, et je la relance. Pardon. Parce que j'ai quand même 6 étoiles à faire. Voilà. Ah oui, c'est resté des camos que j'avais récupérés. Donc voilà. Ne pas hésiter à... En fait, ça faut tout le temps regarder la situation pour savoir à quel moment rester sur AP et quel moment accessoirement passer sur la HE. En général, quand tu es un cuirassé, tu restes à la paix. Tu peux avoir des cas particuliers. Ou dans le sens où bah voilà, ton calibre ne permet pas forcément de faire des dégâts sur le cuirassé adverse. À ce moment-là, tu passes à la HE. Et après, bah, tu as les Anglais. Mais les Anglais, c'est... Bon, voilà. Passons. Ils ont d'excellents obus AP. Hein. Mais bon, voilà. Il n'y a pas de souci, Momo. Après, voilà, les croiseurs, c'est évidemment beaucoup plus souvent HE. Mais on va dire... Si tu es un croiseur léger, donc calibre inférieur ou égal à 155 mm, si le croiseur ou le cuirassé est bien de flanc à allez, 10 km AP, donc là tu vas faire des citadelles sur les croiseurs et tu vises dans les structures sur les cuirassés, tu vas bien toucher. Au-delà, tu peux passer à la HE.
Si par contre, évidemment, le navire est orienté de telle sorte qu'évidemment, il ne montre pas son flanc face à toi, HE. Voilà. Et quand tu es un destroyer, quasiment tout le temps à la HE. Mais tu peux aussi utiliser les obus AP quand tu es un destroyer. Sur les croiseurs légers, à quelques kilomètres de toi, tu vas passer le blindage et tu peux faire des citas. Tu peux également, ça c'est plus souvent en hautière, utiliser donc des obus AP dans les structures des cuirassés. Ça passe. Voilà. Et ne pas oublier que souvent les dégâts des obus AP, enfin voilà, sont moins facilement réparables. Ça se répare, mais un petit peu moins, je crois, que les obus HE. Voilà. Puisque en fait les obus HE en fait font moins souvent de dégâts, mais peuvent mettre des obus, mais peuvent mettre des feux. Et les feux, le souci c'est qu'ils peuvent être assez facilement réparés. Les obus AP, bah une fois que c'est percé, c'est percé. Voilà. Bah écoutez, merci à tous pour cette session. C'était quand même bien sympa. Hop, je vais. Ah bah merci voilà. Et ça bug. Aïe aïe aïe, ça bug. J'en ai marre quand ça bug. Aïe 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 aïe. Pop, voilà. Du coup, j'en profite. Hop, évidemment, ça n'est pas le 28 février, mais c'est demain. Voilà. Hop. Merci à tous donc de m'avoir suivi. Donc c'était une séance bien sympa avec une opération qui s'est plutôt bien déroulée. Donc j'espère que ça vous a plu. Je pense que je vais essayer de continuer à grinder un petit peu tout ça, un petit peu cet après-midi tranquille, même si j'ai des courses à faire. Merci David. merci tout particulier évidemment à Major, Mephiston et au Valor aussi pour leur loots, ainsi que Sama pour lequel j'attends la confirmation du loots. Merci, Pouette, effectivement. Et également merci à Widow et Derox pour leur follow. Et un merci également tout particulier à Tiberius pour son resub. Merci à tous, c'était bien sympa, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes vraiment fidèles. Je vous donne rendez-vous donc demain matin, puisque demain matin on est vendredi, donc ça va, jusqu'à présent tout va bien. Voilà, pour préparer une session un petit peu plus longue, puisque bah, je suis encore en vacances demain, donc voilà. Bon après-midi à tous également, je sais pas donc si quelqu'un stream cet après-midi. On a eu un message de Tonmou là en ce moment, il est vraiment vraiment pris par sa recherche de boulot, etc. Donc voilà. Donc il n'a pas forcément le temps de streamer, ni même le moral apparemment. Donc voilà, donc il préfère se reposer un peu. Mais voilà, dans tous les cas, Nono sera là. Il y a des chances aussi pour que Cheveux soit là. Il fera peut-être un peu de. Je sais pas, peut-être qu'il fera un peu de Clan War d'ailleurs. Je sais pas, vu que généralement ouais, sa séance commence au début des Clan War. Donc peut-être qu'il en fera. Voilà. En tout cas, merci à tous. Et donc, moi, je vous dis à demain. Allez, ciao, ciao, bye bye.